Et bah voilà, c'était pas si compliqué. Moi, j'ai pas encore de récompense autre que tu auras ton nom sur la console jusqu'à la fin du stream. C'est tout ce que j'ai. Et encore, il faut que je désactive à la main et tout, c'est super chiant. Mais bon. Allez, viens, viens! Viens par ici, mon copain! Salut Gupilou, comment ça va? Bienvenue à toi, bienvenue Spaz, bienvenue Gupilou. Bon, bienvenue tout le monde. On joue à Ninpen Man Malou, mais avant, on a eu une exclue mondiale. J'espère que certaines personnes seront dans le chat rapidement. Salut MetaVideo! Pas rapidement. On a le temps, hein, de toute façon. On a encore au moins 10 minutes avant de lancer quoi que ce soit. Mais j'ai quelque chose à vous montrer qui est une exclusivité mondiale. On peut le dire, c'est vraiment le cas pour le coup. C'est même pas exagéré. Et voilà. Très content de l'avoir. Ça me touche particulièrement, la confiance qu'on m'a donnée là-dedans. Donc voilà. Donc ça se passe. Ça se passe bien, ça se passe bien. Écoute, il pleut là à Montpellier. Il s'est mis à pleuvoir de la pluie très étrange. Et l'air était frais pendant toute la journée. Il n'a pas fait super chaud toute la journée. Hein. Donc c'est cool. Ce week-end, je pense que la température aura baissé. Ça, c'est cool. Mondial du style, je suis mondialement connu dans le quartier. Non, non, du style, la terre entière a vu le sujet dont ça s'agit. Et je suis le seul à pouvoir vous montrer le sujet dont ça s'agit de manière approfondie. Voilà. En intro de stream. Et du coup, ouais, une pluie bizarre. Une pluie de neige, en fait. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Mais vous savez, quand il pleut, mais que la pluie est extrêmement légère. Et du coup, il a fait ça pendant un petit moment. Et là, on dirait qu'il pleut normalement, mais pas beaucoup. Mais bon, le fond de l'air était frais, c'était cool, quoi. Le nouvel Emo 5. Une Switch 2. Une Switch 3. Moi, j'ai pas le temps, moi. Moi, j'ai pas votre time, hein. Moi, j'ai directement la 3. Hein. Faut pas s'embarrasser avec une 2 quand on peut avoir la 3. Allons, allons. Bien, ce n'est pas ça. Donc, Ninpen Man Malou, qui veut dire littéralement le ninja pingouin Man Malou, du coup, et qui est un jeu excessivement soigné par Enix en 1997, fin 97, début 98 pour le coup, sur la Saturne, distribué par Enix, parce que vous allez voir que Enix ne faisait pas que du jeu vidéo à l'époque, il faisait aussi des animés pour les enfants. Et il y avait toute cette branche d'animé pour enfants qui a fait un jeu vidéo adapté d'un de ses livres. On l'avait déjà fait en stream, Ninpen Man Malou. Malheureusement, j'étais mort en boucle et au bout d'un moment, j'en avais un peu ras le fion, donc j'ai arrêté. Mais j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de voir plus de ce jeu parce que bah, c'est un jeu qui graphiquement me fait vraiment poser des questions sur les capacités de la Saturne, parce qu'il est très très beau. Vous allez voir, 3D et tout. Salut Van Grid, merde! Une Switch 2, un GX4100. Le GX4100. Genre, qu'est-ce qu'ils auraient rajouté dedans tellement il était parfait, le GX4000? Qu'est-ce qu'il avait besoin, le GX4000, pour être mieux, voyons? Moi, je ne vois pas. Bonjour, carrément. On n'est même plus sur du bonjour ou sur du bonsoir, on est sur du bonjour. Il n'existe qu'en japonais. Il n'existe qu'en japonais, il coûte très cher. Écoute, on va voir ça dans l'instant bailli, il coûte assez cher malheureusement. C'est vrai qu'à chaque fois que je passe une commande bailli, je fais « Ah mais c'est vrai, Ninpen Man Malou !» Et à chaque fois je vais voir le prix, et à chaque fois j'oublie. Bonjour R, Frogboule. Comment vas-tu? Ma Twin et PCFX sont à la douane Charles de Gaulle, la douloureuse va arriver. Bah ouais, ça veut dire que tu les as bientôt surtout. Très très hâte de voir ton unboxing de ta PCFX surtout. Voir comment elle fonctionne et tout. Je sais que c'était Kikish qui était passé et qui avait parlé de sa PCFX qui buguait au niveau du lecteur. Je sais pas trop ce qu'il a eu sur sa console. Frogboule, il sait l'exclusivité mondiale dont je vais vous parler. Et que je vais vous montrer d'ailleurs. Alors, il va falloir que je te demande un truc d'ailleurs sur les niveaux disponibles dans ce que tu m'as envoyé. Parce que je suis pas sûr. Je suis un insider. Bah, tu es pas un insider, t'es presque l'organisateur de l'événement exclusivité mondiale, quoi. On va dire que sans toi, il n'y aurait pas eu l'événement. Je pense que ça met pas mal de gens sur la piste. En même temps, il reste plus beaucoup d'attentes.
Donc voilà, j'ai rajouté un prompt, comme vous le voyez. C'est parce qu'il a été prompt dans le chat. Je sais pas qu'est-ce que je peux octroyer aux gens qui sont prompt sur le stream. Je ne vois pas de récompense qui pourrait être intéressante. Il y a sûrement un truc. Et la Twin Famicom, je pense qu'elle marchera avant Gridman. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Une Twin Famicom, en général, ça se branche et ça fonctionne. Je ne veux pas qu'on voit mon interphone dégueulasse. Et sinon, ça va, vous, du coup? Est-ce que vous avez fait le pont ou pas, du coup? Ma vraie question. La question que j'ai posée à la Terre entière aujourd'hui. Sachant que moi j'ai pas fait le pont, moi j'étais en télétravail, mais que bah j'ai pas eu beaucoup de travail, puisqu'il y avait quasiment personne au travail. Donc j'ai fait mes tâches habituelles et j'ai pris de l'avance, c'était pas très enrichissant. C'est vrai que mon travail est pas hyper enrichissant. C'était pas la fête. J'ai chaud. Ah, il fait plus chaud, nous. C'est dommage, ça. À Montpellier, il fait plus chaud, c'est fini. Et vacances. Donc le grand pont. Ah, tu vas pouvoir profiter de tes achats tu vas pouvoir profiter de tes achats directement en vacances, quoi. C'est cool. Unlimité de 32x speech. Ouais, ça pourrait être rigolo, ça. Salut Mokoda ! Mais donc, t'es bien en avance ce soir. Bonsoir, les exclusiveurs mondiaux, carrément. Oui, j'ai une exclusivité mondiale à vous proposer ce soir. Car... on va jouer à un jeu sur une console alors qu'il n'est jamais sorti sur cette console. Bonsoir Endo, j'espère que tu vas bien. Comment s'est passée ta journée? Est-ce que tu as chaud, toi? Puisque tout le monde parle de sa chaleur. Quelqu'un partage sa chaleur. En vrai, c'est un peu chiant parce que il pleut, du coup j'ai un peu peur d'ouvrir ma fenêtre pour pas qu'il y ait trop d'eau qui rentre dans l'appart. Salut Chris, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Je saute des messages dans le chat tel un vrai Twitcher. Je suis devenu un professionnel dans ce domaine. Non, ça va sur Paris. Sur Paris, il fait pas chaud. Cool. Cool, cool. J'ai vu que sur Béziers, il pleuvait averses, là. Ils ont eu des averses de taré. Et nous, à Montpellier, on a toujours un petit pissou, une petite pluie normale, tu vois. Le classique, quoi. Incroyable. Regardez ça. Donc déjà, il y a quelque chose qui a disparu pour ne pas cacher mon décor, et je trouve ça mieux. J'ai enlevé mon dossier de chaise. Comme ça, on peut vraiment tout voir quand je tourne. J'espère que vous allez bien. C'était Arunotaku depuis le début qui parlait avec le chef des capybaras qui aujourd'hui a félicité Spaskila pour son prompts. Voilà, maintenant il sera affiché sur la console Spaskila jusqu'à la fin du stream. Bonsoir monsieur, je suis en retard ce soir. Je ris, je me gosse, parfum parfait de la victoire. Ah, c'est dégueulasse ce que tu fais, Spam. Comme ça on voit bien le cache de Pipoudou en plus. C'est vrai, il est juste à côté de mon oreille. C'est terrible. On voit tout. Surtout que je pense que je vais mettre... Vous voyez cette guirlande qui est en train de se casser la gueule? Je vais sûrement la mettre à l'intérieur de la machine à gacha. Et trouver une autre guirlande pour ça. Pour pas qu'elle se casse la gueule. Donc on m'a envoyé quelque chose d'exclusivité mondiale aujourd'hui. On va commencer par ça. Avant même de parler de la remise en contexte du jeu. Avec des choses intéressantes d'ailleurs. Console Plus qui parlait... du Pocket Station, et instantanément après, il parlait du VMU. Donc le VMU était pas encore connu de nom, ni... Enfin, c'est très bizarre. Ce qui est bizarre, c'est que normalement, le Pocket Station est sorti après le VMU. C'est-à-dire que le VMU a été annoncé par Sega, et Sony a sorti le Pocket Station, donc à croire que les deux étaient en développement parallèle, et donc ne sont pas sortis l'un après l'autre. Vous allez voir que dans le magazine, c'est assez drôle. Ensuite, on ira voir bien sûr ce qu'est Ninpen Manmaru, avec des informations sur TamTam, son développeur, et Enix, évidemment, son publisher que vous connaissez déjà. On aura un test de console plus, enfin un test import en tout cas, preview import, l'instant bailli, puis on jouera au jeu et on essaiera d'aller loin. Mais d'abord, je me remets sur la Saturn et je vais éteindre la console et la rallumer pour vous montrer que j'ai un Fenrir
Ah oui, d'ailleurs, le jeu de ce soir, Ninpen Manmalu, d'ailleurs, il est important à préciser, il est fan trad. Il y a quand même un truc particulier sur Ninpen Manmalu. Et dans le menu, ça fait une rire les oiseaux. Et du coup, vous voyez, j'ai pas mal de petits trucs, j'ai pas mal de jeux, du coup, on peut peut-être lancer un petit jeu avant de commencer à jouer à Ninpen Manmalu ou à faire le stream. Regardons ce que j'ai dans ma liste. En tout cas, j'ai un truc. Ah bah tiens, qu'est-ce que c'est ça? J'ai Crash Haruno Taku. Qu'est-ce que ça peut bien être? Merci Ced pour le Fenrir, c'est magnifique. Merci Fred, merci Ced pour le Fenrir qui est probablement l'ODE et l'accessoire le plus fiable que j'ai jamais vu de toute ma vie sur une console pour jouer des jeux, quoi. C'est un truc de fou. Hein. Il y a Krix et il y a Ced. Je pense que c'est les deux maîtres des trucs plug and play qui marchent. C'est pas bien de cracher. D'accord, alors je vais pas cracher. Mais je vais quand même lancer Crash Haruno Taku parce que je me demande bien qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que ça fait dans ma console? Je sais pas du tout ce que c'est. Ça va être une surprise, dis donc. Crash. C'est peut-être Crash and Burn sur 3DO, porté sur Saturne. C'est peut-être... Oh, mais je reconnais cette musique. Mais sur Saturne? Mais il n'a pas existé ce jeu sur Saturne, je ne comprends pas. Mais je crois que je suis le premier au monde à mettre les mains dessus, du coup. Il tease bien, le gars, il est fort. Hein. Ah, il est fort, hein. c'est pas son premier teasing. Hein. Il manque Crash en 3D, ici. Je sais plus s'il y avait Crash sur PlayStation, ici. Le premier sur Twitch. Ah d'accord, donc je suis pas le premier bêta-testeur. Aïe, aïe, aïe. Je mets mes mains où? Je mets mes mains, je mets mes mains où je veux. Et c'est souvent sur la gueule. Tombi, trop bien, youpi. Ah oui, c'est Tombi. Et donc, vous le reconnaissez ou pas? C'est Crash Bandicoot, mais entièrement assemblé et entièrement codé pour fonctionner sur une Sega Saturn. Ça fait bizarre de le voir sur Saturn. Et si on appuie sur B, il fait les petites animes d'attente en boucle. Avec son œil, vous savez, là, quand il regarde à droite et à gauche. C'est Sanic le pangolin, exactement. Pas très fort à ce type de jeu vidéo, bien sûr. Pas très fort à ce type de jeu vidéo, normalement, d'ailleurs. Waouh! Regardez ces effets 3D! Il y a de la transparence là ou quoi? Mais c'est pas sur Saturne, c'est impossible, il n'y a pas de transparence sur Saturne. Comment vous avez fait? C'est impressionnant, hein, de voir Crash là-dessus quand même. Moi, ce que je trouve dingue, c'est que les flammes effectivement sont transparentes, ou alors c'est psychologique, parce que j'ai quand même l'impression de voir au travers. J'essaie de me concentrer pour voir l'arbre, j'ai vachement de mal à comprendre. Semi-transparence. C'est du VDP1, ça veut dire qu'on voit que le VDP1 au travers de la flamme, c'est ça? On voit pas le... Et là, j'ai jamais passé ce niveau. Donc, est-ce que c'est comme sur YouTube et qu'il n'y a rien après? Parce que j'avoue que je galère beaucoup sur ce niveau. Beaucoup trop, d'ailleurs. Mais déjà, sur le vrai banjo, je galérais déjà. Waouh! Qui a dit que la Saturne ne savait pas faire de transparence? L'ombre est parfaitement transparente. C'est toujours très très cool à voir d'ailleurs. Le vrai banjo. Comment ça, le vrai banjo? Crash banjo coûte? Quoi qu'il en banjo coûte? Ah merde, il y avait un trou là? Mais non. Ah, checkpoint. Ah non. Tu as dit que tu n'avais jamais été bon, même sur le vrai banjo. Et bonsoir les petits trucs bleus. Les petits trucs bleus, exactement. C'est un oiseau, d'ailleurs, ce soir. Ninpen Manmalu. Waouh, incroyable. Vous avez vu ça un peu? C'est Crash Bandicoot sur Saturne. Voilà, du coup, ça y est, hein, je pense que je peux arrêter de dire n'importe quoi.
pense que vous l'avez vu. C'est la vraie build originelle que vous voyez sur YouTube. Et vous pouvez voir que c'est en temps réel, puisque je meurs beaucoup plus que sur la vidéo YouTube. Ça peut pas être un playback. À moins d'avoir fait une vidéo qui fait 2 Tera, où je meurs en boucle. Et même la petite musique et tout, hein. Sorcellerie. Et t'as vu, hein, la 3D est presque meilleure, même. La 3D de Crash Bandicoot sur PlayStation 1, c'est peut-être la 3D la plus exemplaire avec Spyro. Spyro et Crash Bandicoot, c'est les jeux qui ont la 3D la plus exemplaire, je trouve. Et la 3D la plus complexe et la plus, entre guillemets, fouillée qu'ils ont faite. Pour moi, c'était Vagrant Story. Où vraiment les décors étaient... c'était de la sorcellerie pour le coup. Mais par contre la 3D était instable, moche et tout et tout. Là où Spyro et Crash Bandicoot, ils ont quand même cherché à faire une certaine finesse. Des pixels notamment. Et puis vu que la caméra était un peu contrainte, même 100% contrainte sur Crash, ils avaient réussi à faire des trucs... Dis-moi qu'après ça, il n'y a rien, s'il te plaît. Spyro a une qualité incroyable, ouais. Il est encore plaisant aujourd'hui. Alors, à jouer, je suis pas d'accord, parce que moi, j'ai pas du tout aimé le système de jeu, la construction du jeu me plaît pas du tout en Spyro. Je préfère avoir un vrai hub où on comprend vraiment où on va, où on voit vraiment les maps qui sont dispo ou pas, plutôt qu'un espèce d'ersatz de progression bizarre où tu dois avoir un certain nombre. Mais en fait, le problème du hub de Spyro, pour moi, c'est qu'il est dans l'instantané. Il n'est pas dans j'investis, j'explore, puis je vois toutes les possibilités, puis après je vais aller chercher les éléments pour ouvrir les portes. Il est très dans le mode ah bah tiens, cette porte est fermée, Spyro, il te faut ça et ça et ça, et tu le fais tout de suite. C'est un peu bizarre comme une façon de faire. Okay. Putain, mais je suis vraiment trop mauvais, c'est pas possible. Allez, on va se concentrer et on va passer cette phase. J'étais quasiment au bout tout à l'heure, pas de raison. Et vous savez comment c'est, hein. Plus on essaye, plus on se fout la pression, et plus on rate. C'est un peu mon problème dans Elden Ring et dans les Souls, d'ailleurs. Ça me choque pas non plus. Et où t'as récupéré ça? Bah j'ai fait du piratage sur des réseaux du dark web, bien sûr. Non, j'ai envoyé 79 messages en pleurant, en mettant des émotes tristes, avec des menaces de mort. Ah mais il y en a encore après? Putain, sérieux, c'est long. Ça me choque pas non plus. Pour le Spyro, c'est un peu compliqué. Je pense que ma pensée est un peu complexe sur Spyro. Mais dans le maniement du personnage, c'est pas le truc qui me plaît le plus, quoi. En fait, il y a un côté très hasardeux aussi dans le déplacement et dans le run du personnage. Quand on court et quand on essaye de diriger le perso, les niveaux sont faits en conséquence, c'est pas gênant. Mais dans des jeux comme Banjo, on comprend un peu mieux où on marche. Je trouve ça plus agréable. Et les niveaux sont faits en conséquence, encore une fois, hein, le jeu est très très bon, hein, c'est juste que moi ça me plaît pas. Et je l'ai découvert très 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 tard, hein, Spyro. J'aurais dû le découvrir peut-être à sa sortie. Ça aurait été sans doute mieux. Je me demande s'il y a un cheat dans cette build. Pour les plus mauvais. J'arrive pas. C'est très 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 dur. Trois vies. Compte mon nombre de morts, c'est ça?
Ou de Die and Retry parce que c'est Super Meat Boy et que c'est Die and Retry. C'est ça que tu veux dire? Est-ce que quelqu'un va porter des jeux Saturn sur PlayStation un jour? Je serais très curieux de voir un Sega Rally, le vrai Sega Rally sur une Play, tiens. Ou un Virtua Fighter 2 sur la Play. Alors ça serait ultra chaud, je pense. Aïe, aïe, aïe. Puisqu'il manque des puces pour le faire. Il manquerait des copro. Mais il faudrait limite tout mettre sur le chip principal 3D de la Play, quoi. Ça serait un peu chaud. On va essayer de se concentrer, encore une fois. Comme tout à l'heure. Ah, c'est chaud! Je vais t'en sur PS1. En 480i, ce serait hard. Bah, après, la PS1. Salut, moi, salut CRT, comment ça va? La PS1, elle avait quand même Bloody Roar qui était incroyable. Hein. C'est un vrai niveau, c'est un niveau de Crash Maker. Crash Maker, ça existe ça? Je connais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est la build de Crash Saturn. Du grand et imminent Frog Bull, ici présent dans le chat. Tu as des questions techniques. Moi j'ai une question, est-ce qu'il y a un cheat code pour passer au niveau suivant? Ou est-ce qu'il faut vraiment que je me tape ce niveau de l'enfer jusqu'au bout? Parce que j'ai essayé des combinaisons de boutons qui auraient pu être des cheat codes et ça n'a pas marché bien sûr. Genre start, L et R. Ou des trucs genre en maintenant des boutons avec X, Y et Z. Mais j'ai pas trouvé de combinaison pour passer. Pour trouver des niveaux peut-être qu'il n'y a pas dans l'origine. Peut-être caché derrière des menus. Allez, on se concentre. On va essayer de bien faire. Ou alors on va jouer sur CRT en fait. Global 2 est vraiment pas mal techniquement sur PS1. Du genre un Konami Code, je note l'idée. Donc tu l'as pas fait, ça veut dire. Tu dois le savoir, mais t'es un génie et c'est vraiment hallucinant de t'avoir ici. Moi, je suis c'est pareil, hein, ben, je le pense réellement. Hein, je suis vraiment très très heureux de t'avoir dans mon chat et je suis très très heureux d'avoir eu le privilège, en tout cas, d'avoir eu cette build. Quoi. Le génie de la scène Saturn, c'est XL2. Je me base sur son travail pour mes créations sur Saturn. Je crois qu'il y a juste un petit problème, c'est que le bouton de saut, il boucle. Il y a un truc bizarre avec le bouton de saut qui boucle et l'accélération de Crash, je crois qu'elle est pas naturelle, je sais pas si elle était comme ça sur Play. Est-ce qu'il a une accélération de Crash? Parce que apparemment tu récupères le source code du jeu. Donc ça voudrait dire que normalement t'as le. Ah non, tu récupères pas le vrai source code du jeu du coup. Si. En tout cas, ça enlève rien au. Au côté quand même incroyable. Mais voyez hein, les nuages qui passent devant tout en transparence sur une Saturne. Je sais pas si. Enfin, moi quand j'ai vu ça, sur YouTube, je me suis dit, bon, le mec, à l'époque, je me suis dit, il a exagéré. Le mec, il a exagéré. Il a mis des FX impossibles à faire. En mode si, regardez, la Saturne, elle aurait fait de la transparence. En vrai. Et aussi, en fait, c'est une vraie Saturne. C'est une Saturne stock, je vous la remontre. Elle est là. Une vraie Saturne japonaise, classique. Tout ce qu'il y a de plus normal. T'as tout refait, d'accord. Parce que je me disais bien que c'était pas portable facilement. Et puis même, de toute façon, on n'a pas le source code de Crash Bandicoot. En fait, c'est ça le vrai problème. mais du coup, si on avait le vrai source code de Crash Bandicoot en C, on pourrait tout simplement le copier-coller sur Saturne ou... Avec les bons modèles et les bons bones, les bons objets, et toute la logique de leur éditeur de base. Il faudrait les sources de l'éditeur en plus d'ailleurs. Il faudrait les sources du jeu et de l'éditeur. Pour pouvoir compiler et tout. Peut-être. Je sais pas si ça se compile à la volée, les trucs dans le jeu. Tout est différent sur Saturn, hein, tout simplement. Mais oui, Mokona, tu sais bien, ça marche comme ça le code. Toi-même tu sais. Toi qui fais des jeux MSX comme ça en claquant des doigts et qui décompile en ce moment Dark Savior dans l'optique que je puisse le retraduire, tu sais très bien que la Saturn fonctionne comme ça. Et que l'assembleur c'est rien d'autre que du C déguisé. Hein. Ah non, par contre alors j'ai une anecdote assez incroyable.
C'est le lead, le chef architecte, enfin pas le chef architecte du coup, mais on va dire qu'en interne au studio de Ubisoft, Ubisoft Tiwak, il y avait le patron du studio, qui était le créateur entre guillemets de Yeti, donc le créateur de Yeti avait dit, créateur d'un des moteurs qui a fait beaucoup de jeux à Ubisoft, il avait dit, le script, c'est plus rapide d'exécution pour une machine que de l'assembleur. C'est-à-dire que son script, en fait, il le vendait comme quelque chose qui était interprété plus rapidement que l'assembleur. Voilà. Donc à chaque fois, bah, les gens qui connaissent pouffaient, et les autres comprenaient juste pas. Et ça m'a toujours fait rire, parce que cette déclaration, elle avait été écrite dans le serveur Perforce de... dans le serveur Perforce de tous les jeux qui avaient été faits à Tiwak, en fait. Il a écrit, n'oubliez pas que notre script compile plus vite que l'assembleur. Et je trouvais ça très drôle. Et voilà. Donc du coup, il a été quand même tourné en ridicule assez longtemps, cette déclaration. Puisque c'est... il parlait du script interne au moteur. Il parlait pas de... il parlait pas d'un script qui serait miraculeux. Alors là, on se concentre. Le jeu devient fluide à la fin, c'est trop marrant. Le jeu est devenu plus fluide, soudainement, parce que je pense qu'on arrive à la fin du niveau et du coup il n'y a plus de, de niveau 3D à charger, quoi. S'il avait dit assembleur ou c'est... là c'est beau de proposer ça, Frogbull. Il faut pas que tu t'arrêtes. Même s'il y a des rageux sur YouTube, il faut pas que tu t'arrêtes à leur renard. Il faut que tu fasses entièrement FF7 sur Saturn, en un seul CD. Bon courage. Ah, ou alors, encore mieux. Est-ce que c'est pas possible de faire ça? Peut-être qu'il voulait dire compiler, mais il avait dit que c'était plus optimisé. Ça tiendrait pas, ça tiendrait. Par contre, la qualité de la musique et des FMV. Ouais, comme Resident Evil 2 sur 64. Mais est-ce que ça serait possible, avec le Saru et tout le bordel, avec le Saru et tout le bordel, de faire des Homebrew Saturn sur cartouche? Ou de faire des, genre des jeux en mode cartouche? Un Grandia, par exemple. Ça serait faisable, du coup. Si tu fabriques ton Saru et que dedans tu mets que Grandia en lecture seule. Ça te ferait un jeu Saturn en cartouche. Putain, ça serait dingue, en vrai. Je suis sûr qu'il y a de la mémoire qui coûte pas cher, qui pourrait permettre de le faire. Hein. Parce que le Saru, il est pas cher en soi. Il coûte 40 balles, un truc comme ça, le Saru. Ridge Racer sur Saturn, ça serait rigolo, hein. Ça serait rigolo, n'empêche. Déjà, Metal Gear sur Saturn, ça serait... j'arrive pas à... est-ce qu'il y a un niveau après? S'il y a un niveau après, je suis deg. S'il y a un niveau après, je vous le dis, on annule le stream de ce soir et on joue plus à Crash Bandicoot jusqu'à ce que j'y arrive. Colade, il retourne, je mange rouge, je colade, lui. Exactement. Et j'assume. Non. Comment ça, non? Si, ça serait fun, quand même. Bon, je vais pas y arriver. On va enchaîner sur le stream. X. Je sais pas, j'ai pas compté le nombre de morts, il y en a trop. Mais du coup, tu confirmes qu'il y a quelque chose après, ou pas? C'est le genre de niveau qui m'ont fait détester les platformers 3D et pas de PS1. Oui, ce niveau-là, il est connu, mais il est pas dans... mais il me semblait pas qu'il était dans Crash Bandicoot 1, celui-là. Est-ce que Spyro me réconcilie avec le style? Ah, c'est Spyro qui t'a réconcilié avec le platformer 3D, toi? Bah, chacun son truc, hein. Ouais, il m'a pas dégoûté, mais c'est vrai qu'il était pas ouf. Il y a un jeu qu'il faudra que je fasse en plateforme, entre guillemets, 3D, c'est Medieval. Medieval, j'ai toujours pas fait. On va essayer. C'est cool de pas y arriver.
Ah putain. J'ai du lag avec mon CRT. Là, j'ai vraiment pas l'excuse. Je peux pas avoir l'excuse du lag en fait. J'aurais aimé avoir une excuse genre le lag, mais je peux pas. C'est au niveau infernal sur le 1. J'ai appris adulte qu'on pouvait marcher sur les cordes. Mais toi, tu l'as pas fait ça. Tu les as pas mis les cols. T'as pas mis de collision sur les cordes. C'est ça le truc. Après, tu sais que je t'apprécie, hein, mais ça aurait été pas mal de mettre une collision sur les cordes. Bon, après, on peut admirer au moins que c'est beau. Hein. Bah, on a bien le temps de bien regarder ce niveau-là. C'est avant tout à des fins de documentation hein, que je vous le montre. C'est normal que je meure souvent, c'est pour être sûr qu'on voit bien tout le niveau du début à la fin à chaque fois. Peut-être parce que je suis mauvais. Merde, j'ai fini Virtual Highlight en live, j'aimerais vous le rappeler. Là, vous voyez, la fluidité du jeu est bien meilleure. On gagne réellement en FPS au fur et à mesure d'avancer. Une expérience philosophique sur l'éternel recommencement et sur le métier. Remets 100 fois ton ouvrage. On peut voir que la Saturne est incapable de faire de la transparence. Salut Radius, comment ça va? Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bon bah en tout cas voilà, c'était Crash Bandicoot. J'avoue que ça manque quand même d'un checkpoint. Ou deux. Ou cinq. Ça manque de quelques checkpoints quand même. Est-ce que je réessaye ou est-ce que c'est sûr et certain qu'il n'y a rien après? C'est énorme de pas y arriver. Pourtant, là, j'étais vraiment focus de... J'avoue qu'au bout, j'ai l'impression que c'est que des sauts longs en plus. Et les sauts longs, c'est pas le truc que je... j'arrive à maîtriser. Hein. Il manque surtout de planches qui se cassent comme sur PS1. Ah oui, c'est vrai en plus. Mais il y avait 27 fois la même série de plateformes comme ça sur PS1. 27 fois? Alors non. Radius, tu sais, des fois je meurs et je recommence à zéro. C'est pas 27 fois. En vrai, je sais le nombre de séries et je sais à laquelle je meurs à peu près. Je crois que c'est la quatrième où je meurs systématiquement presque. Après, il faut avouer que la Saturne, elle crache de ouf. Là. C'est beau ce qu'elle fait. Elle aurait pu faire du coup des jeux PS1. Hein. C'est juste, de toute façon, avec du soin, je pense que n'importe quelle console peut un peu tout faire. Quoi. Le niveau est moins long que sur la PS1. Et pour passer, il suffisait de ne pas mourir. C'est vrai, ça. Une astuce, une bonne astuce pour vous, hein, chez vous. N'hésitez pas, surtout quand vous me voyez jouer comme ça. Moi, évidemment, je connais pas cette astuce, du coup, je ne l'applique pas. Mais c'est de bien jouer. Et d'essayer de ne pas mourir. Essayez de ne pas rire. Là, c'est... Ah, putain, sérieux. Est-ce que t'as Parsec, Frogwood? Ça, je t'envoie les inputs directement via Parsec. Ah non, je peux pas. Je suis sur une vraie console, je peux pas. Ou alors, il me faudrait un adaptateur USB vers Saturn. Ouais, je ne pas trop. Pas eu de console. Allez, dernière tentative. Hmm.
Terminé qu'une seule fois niveau histoire d'être sûr que c'était faisable. Mais t'as pas mis de niveau suivant quand même. T'as rien mis après, je veux dire, parce que depuis tout à l'heure, c'est ce que je demande, j'ai pas de réponse. Parce que j'avoue que s'il y a rien derrière, je vais arrêter. Sinon, je vais finir par m'énerver, ça va pas être très rigolo. Quand t'as rien après, d'accord. Bah, en tout cas, extrêmement belle performance de la Saturn. J'arrive pas à me lasser d'être devant cet écran et de voir la transparence de la console, quoi. Est-ce que ça veut dire que ça t'empêche d'utiliser VDP2? D'avoir cette transparence-là? Là, il y a VDP2 qui fait le background. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible. En fait, il y a une sphère de brouillard autour de la caméra, je pense. Le Fox est VDP2. Et il arrive à afficher VDP1. Le background aussi, ça, d'accord. Par contre, j'arrive pas à comprendre comment c'est... Ah, le fog, c'est VDP2! Ah non, je comprends pas du coup, attends. Donc derrière VDP2, on peut avoir VDP1 et on peut avoir le VDP2 derrière le VDP1 quand même. Je comprends pas, le système de tri de la Saturne, il est beaucoup trop compliqué pour moi en fait. Je croyais que c'était simplement possible, impossible, et après il fallait faire des tris compliqués, quoi. Les layers sont tordus, d'accord. Et donc ça, les développeurs pouvaient le faire à l'époque. C'était pas un tricks complètement hors documentation ou complètement sorcier, quoi. Et c'est dommage parce que c'est fluide à la fin du parcours. C'est pour ça qu'un checkpoint, ça pourrait être cool, parce que du coup, à la fin, t'es presque à 20 FPS, quoi. Ah, c'était faisable. C'est juste que personne prenait le temps de gérer les particularités de la Saturn, quoi. Bah, c'est cool. Merci encore pour ce moment. Et bah, si tu veux me passer Metal Gear Solid, par exemple, ou Final Fantasy VII, tu n'hésites pas. Je me ferai un plaisir de les tester en live et de les montrer à tout le monde. Et pourquoi pas même faire un jour un live avec la parole, hein, si t'as des choses à dire. Si t'en as gros sur la patate, on pourra faire un live invité. Je vous ai pas montré, alors il y a deux choses que je voulais vous montrer vite. Sans doute vous remontrer ce jeu. Le son du jeu, on met la musique. On rappuie sur ma souris qui s'est mis en DPS. Oui. Jolie découverte et gros boulot. Ouais. Très très gros boulot. Ouais, gros GG à toi, Frog. C'était bien joué. Petite musique d'ascenseur. Ce que je voulais vous montrer, c'est la nouvelle scène que j'ai créée pour les gachas. C'est la scène spéciale tirage au sort de gachapon. J'ai passé un peu de temps à le faire, hein, en vrai. Si, ça serait mieux quand le niveau sera complet avec checkpoint. Ah, tu vas continuer à le faire, du coup? Je pensais pas que t'avais prévu de continuer à le faire. Mais c'est cool. Donc voilà, je me suis amusé à ouvrir mon Krita et à faire ces petites boules qui slide entre elles pour le moment où il y aura des tirages au sort avec la caméra braquée sur la machine à gâchapon à chaque fois. Et tout ça, ça sera pas pour plus tard. Et l'autre truc que je voulais vous montrer, bah, c'est ça. Et ça, je vous l'avais déjà montré, comme ça au moins, voilà. On pourra regarder peut-être des vidéos ou internet même. On peut mettre un navigateur aussi à la place. C'est plutôt cool si un jour quelqu'un, tout comme toi, par exemple, veut venir. Gupiru nous sort ses 300 bits. 100 bits, oh là là, incroyable. Merci beaucoup, Gupiru, merci. Merci pour les 300 bits, merci pour le soutien. Merci beaucoup pour le soutien. Très gentil à toi. Et ça permet de ramener le compteur, comme vous l'avez vu, hein, à. Le compteur du gacha, donc c'est 5 subs ou 480 bits. J'arrive à calculer vite, c'est incroyable. Ouais, l'achèvement technique, c'est fou. Je serais curieux de voir quelqu'un qui fait l'inverse quand même.
Ça serait très drôle de voir le premier Ridge Racer sur Saturn. On pourrait faire le premier Ridge Racer sur Saturn, mais je serais curieux de voir Virtua Fighter 2 sur PlayStation. Ça vaut beau. Pour l'exclusivité en Mondo Vision. Merci à toi. Merci beaucoup. Je ne vous remercierai jamais assez car je ne sais pas remercier, vous le savez. Hop, regardez ça. Ici, on parle du Visual Memory System. Et il n'a pas de nom, le Visual Memory System, dans l'article de Console Plus. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que j'étais persuadé que le VMS était sorti avant le Pocket Station. Et au final, le Pocket Station, il avait déjà plein de choses en avant, dit à la presse, avant que Sega ne dégaine vraiment les infos sur son VMS. J'ai quand même l'impression que ça n'a pas été copié, ce truc-là. Donc c'est quand même intéressant. On va regarder donc ces deux pages de news qui datent à peu près de la sortie de Ninpen Man Malou. Et après, on s'intéressera au jeu l'instant Bali, puis on jouera. Et ouais, du coup, l'invitation est lancée. Si tu veux venir parler technique un de ces soirs, quand tu veux, quand ça t'arrangera. Ça sera toujours de 21h à jusqu'à minuit maximum, 1h, quoi. Mais si tu veux, Frogball, tu es le bienvenu. Je pêche, tu plantes. Natsume, donc Natsume, c'est les créateurs, par exemple, de Harvest Moon, pour ceux qui ne savent pas, les tout premiers jeux d'agriculture, entre guillemets, sur 64, notamment. Natsume annonce deux nouveaux titres pour la N64 courant 99 aux États-Unis. Et il semblerait qu'il apprécie les genres un peu space. Natsume au singulier, du coup. Premier titre n'est rien d'autre qu'une suite à Harvest Moon, un RPG dans lequel vous jouez le rôle d'un fermier qui devra faire pousser ses plantations pour se marier. C'est un peu ça. Pas très RPG, mais c'est très, très gestion, surtout. Le second, au titre explicite de Legend of the River King, vous proposera de jouer un pêcheur en quête de grosses prises. De gros prises. On échappe de peu aux pastilles odorantes vendues avec le soft. Pastille odorante ? Une blague ? Le VMU de la Dream est sorti avant la Dream, selon Wikipédia. oui, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Je suis con. C'est vrai. Et la Pocket Station, bien après, ouais. Mais par contre, Sony a annoncé la Pocket Station très très tôt. Quasiment en même temps que le VMU, avec un design définitif déjà, quoi. Mais oui, le VMU est sorti avant. Au Japon, il y a un VMU... Godzilla, qui est sorti avant la sortie de la Dreamcast, par rapport à la sortie du jeu Godzilla au lancement de la console. C'est assez drôle d'ailleurs. Je sais pas s'il y a des trucs et des compatibilités entre eux, mais le VMU Godzilla, il fait partie des trucs que j'aimerais bien choper en C4. Je l'avais acheté quand j'étais petit, je l'ai payé 450 francs, parce que le magasin d'import avait ça, et ils ont dit voilà, c'est déjà un morceau de la Dreamcast, c'est historique, machin. Moi je l'avais acheté comme un gros pigeon. En même temps, on était assez aisés, hein, donc on achetait un peu tout et n'importe quoi. Carte mémoire, les projets de Sega, donc le VMU, inventé par NEC pour sa PC Engine. Ça, je vous mets au défi de trouver la première carte mémoire au monde pour eux. La première carte mémoire sur console de jeu, c'est NEC qui l'a fait sur PC Engine avec le Tenokoe Box. C'est le truc qui se branchait à l'arrière de la console pour sauvegarder les jeux. En général, les jeux plutôt CD et les jeux cartouches qui n'avaient pas forcément de pile de sauvegarde. Il n'y a pas la place de mettre une pile de sauvegarde dessus. Mais je me demande si c'est pas la Neo Geo, parce qu'en plus, la Neo Geo, on pouvait l'emmener dans les salles d'arcade. Mais la PC Engine, elle est sortie avant la Neo Geo ou pas ? Je me pose la question, premier degré. La mémoire est devenue l'accessoire le plus couru de toutes les consoleux qui se respectent. Rumeurs et bruits de couloir sur les projets de Sega. La nouvelle génération de créatifs soniciens s'attaque à un melting pot de projets plutôt intéressants. Nouvelle portable, line-up pour la Katana, Tamagotchi spécial. Ça bouillonne sévère et le nouveau concept de carte mémoire semble occuper pas mal l'équipe. Voici regrouper tous les bruits de couloir concernant ce projet. On parle de la première carte mémoire ? Ouais. 1990, la Neo. Donc la PC Engine est sortie. Elle est sortie tard, la Neo, dis donc. Elle était plus vieille que ça. Attends, mais c'est vrai que le standard MVS est sorti avant la Neo Geo, non ? L'AES est sorti après la MVS ?
À moins que la PC Engine, je l'évalue à vraiment plus vieille que ce qu'elle est. Mais là, en tout cas, d'après Console Plus, tu vois, la première Neo Geo, Van Gridman, la première Neo Geo, première carte mémoire, c'était la Tenno Koei Bank de la PC Engine. Après, les savoirs d'avant. PC Engine, c'est 87, d'accord. Donc, ils ont raison, manifestement. À moins qu'il y ait une autre console qui avait une carte mémoire avant. Est-ce qu'il y avait des consoles avant la PC Engine? Oui, mais la Famicom, bon, d'accord. Est-ce qu'on peut considérer le disque système comme une carte mémoire? Les disques, pas vraiment, c'est pas des cartes. A l'instar du PDA de Sony, ces cartes semblent se présenter sous la forme d'un mini Game Boy, deux fois plus petit quand même, avec un écran LCD de multiples boutons. Ces cartes auraient pour premier atout d'être portables. En effet, bien des observateurs s'accordent à penser qu'elles bénéficieraient d'une certaine autonomie et permettraient de gérer ces sauvegardes hors console. L'idée de base serait simple, proposer une interaction entre le monde de l'arcade et celui de la console. C'est vrai qu'à la base, enfin, c'est terrible. J'ai trop envie d'avoir une borne d'arcade. Vous avez été des monstres. Et Tom Vokova en premier. J'essaie de contacter le grand local qui détient la dernière salle d'arcade vivante de Montpellier. Et dans ce local-là, ils vendent des bornes d'arcade. Ils vendent des Astro City, ça c'est sûr. Je crois qu'ils en ont encore quelques-unes, mais dans les 700, 800, 900 euros en état pas ouf. Et en tout révisé, ça dépasse les 1000 euros l'Astro City. Il faudrait que je les appelle et je leur demande, ils sont pas de site internet, ils sont rien. J'ai vraiment envie. La Wii U avant l'heure. La Wii U avant l'heure. Je dirais que ça sauvegarde hors console. L'idée de base serait simple, proposer une interaction entre le monde de l'arcade et celui des consoles. Vous pourriez aussi intégrer vos réglages personnels. Donc je disais, la carte mémoire Dreamcast allait sur les bornes d'arcade de Naomi Universal Cab, qui sur leur panel avait un lecteur de carte mémoire. Un lecteur de VMU. Vous pourriez ainsi intégrer vos réglages personnels dans une borne d'arcade et activer tous les personnages cachés gagnés précédemment chez vous, bien au chaud. Et inversement, les deux partenaires de Sega, NEC et Microsoft, pensent élargir le domaine de cette interaction. On peut alors s'attendre à tout. Memory card pager, memory card Tamagotchi, les rumeurs les plus avant-gardistes parlent de sauvegardes évoluant sans cesse et de petites créatures virtuelles intégrées dans le programme. Le mini-jeu de Skies of Arcadia, notamment, sur VMU, il est très très cool. Et VMU, avoir un écran déporté. Ah, l'écran déporté en plus, ouais. Le petit écran au creux de la main, oui, c'est vrai. Bah, ça servait dans Resident Evil, notamment. Resident Evil, t'avais pas besoin d'aller dans l'inventaire pour voir ta santé. Tu pouvais l'avoir sur ton VMU. C'est vraiment bien, ça. Resident Evil 2 sur Dreamcast, ça en fait la meilleure version. Pour ça. Memory card Windows CE. Oui, c'est sûrement Windows CE qui a dans les memory cards, comme quand on démarre sa Dreamcast, c'est Windows CE d'ailleurs qui démarre. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, on entend le... Tang, ta, tang, tang, tang. Donc, on démarre la Dreamcast. C'est un private joke, évidemment, tout ça est faux. Bref, cela risque d'aller très loin, et Sega semble vraiment miser sur cette technologie d'avenir destinée tout d'abord à la Saturn. Ces cartes auront un rôle primordial à jouer dans l'avenir de la prochaine console de Sega, la Katana. Alors ça, par contre, Bananesan, on peut dire. La représentation ci-dessus de cette hypothétique carte mémoire est bien évidemment imaginaire. Windows CE 8 bits édition. Ça serait rigolo, en vrai. Imagine un jeu sur GameCube. Pour jouer, il faudrait connecter une Game Boy. Voire deux. Quand tu joues à deux. Non, ça serait dingue, ça, t'imagines. Oh, les moyens qu'il faudrait. Ça veut dire que ton pote, il doit avoir une Game Boy. Ton autre pote, il doit aussi avoir une Game Boy. Toi, tu dois acheter un câble, des câbles spéciaux pour relier les Game Boy de tes potes. Non, ça marchera jamais, ça. Nintendo, ils n'auraient jamais cette idée-là. Ils n'ont que des idées pour les pauvres, Nintendo. Voir deux quand tu joues à deux, non, ça serait l'enfer pour les câbles, personne ne ferait ça exactement. Personne n'aurait cette idée tordue, ouais. Alors. Et c'est marrant, hein, le petit côté 3D, l'espèce de mock-up qu'ils ont fait de la VMU. Et ça, c'est dans le même numéro où ils parlent du Pocket Station. Alors qu'il est terminé, le Pocket Station, presque. Ouais, il te montre une vraie photo qu'on verra tout à l'heure, hein, du Pocket Station. C'est dingue, quand même. Moi, je trouve ça fou. Du coup, je comprends pas trop quand c'est sorti, je suis pas sûr des annonces. En fait,
des fois, il faut pas se dire quand est-ce que c'est sorti pour savoir qui a copié l'autre, mais les annonces. Parce que j'ai l'impression que le Pocket Station était en développement depuis très longtemps chez Sony, en fait. 4 câbles lignes pour jouer à 4, ça serait délirant. Surtout, c'est 4 Game Boy, t'imagines ? C'est comme si tu pouvais relier des PlayStation par, entre elles avec un câble Link pour jouer à deux, tu vois. Il faudrait deux télés, deux jeux, deux PlayStation. Ça serait n'importe quoi. Personne ferait ça, tu sais. Le million, la roue de la fortune, monument de la télé beauf, bien, est disponible en version US sur N64. Tout y est. La potiche qui tourne les lettres, évidemment. Les commentaires énervants du présentateur, on se croirait presque sur TF1. Au moins, il devient clair que quand on est devant la N64, on est devant la télé. Ok. Ok. Super. Cet article a vraiment un fort... Il a vraiment un très grand intérêt, cet article. Un plat de choix. T'as des sumo. Savent plus quoi inventer, les Japonais. Ah, je sens que ça va pas le finir. Après la pêche, les courses de chevaux, les simulations de train, c'est au tour de la cuisine d'avoir ces simulations sur PlayStation. J'ai toujours pas fait ce jeu, il faut qu'on le fasse. Il faut vraiment qu'on le fasse, le jeu de cuisine japonaise sur PlayStation 1. Là. D'avoir ces simulations sur PlayStation, dans le principe, le jeu se situerait entre Street Fighter, Parapaz the Rapper et Bust Move, le jeu de danse. Bust Groove, du coup. Et il semblerait que le mélange ne soit pas trop indigeste, intitulé Cooking Fighter How. Le jeu est prévu pour mai 98 au Japon. Ils ont mis des sumo, bien sûr, parce que cuisine égale personne grosse, égale Japon, égale sumo. Forcément, hein. Forcément. Personne. Et si un village d'irréductibles a acheté la GameCube avec des Game Boy et les a connectés. On avait joué qu'une fois à FF Chronicle, mais j'en cauchemar presque. Il est atroce. Final Fantasy Crystal Chronicles en multi, c'est pas du tout une bonne vitrine. Je trouve que Zelda est une bonne vitrine. Le Force Wars était pas mal. Pas développer le mode réseau, imagine Ridge Racer 4 comme ça. C'est top. Mais bon, aucun Ridge n'a jamais eu cette option. Ridge, ils ont jamais fait d'option multiconsole. Mais si, le premier. Attends, je confonds avec Destruction Derby du coup. Le premier Ridge Racer, il a pas une option de deux consoles ? Ou tu ironises? Ah d'accord, donc tu ironises. C'était classe. Moi j'y ai pas joué à Ridge pour le coup. J'ai essayé Doom, j'ai essayé Destruction Derby. Destruction Derby, très classique en fait. Doom, c'est vraiment très bien fait Doom. C'est vraiment le mode PC quoi, qui marche vraiment bien. Et c'est tout. Et sur GameCube, j'avais essayé avec des Game Boy des Game Boy. J'avais essayé Crystal Chronicle que j'ai trouvé vraiment pas bien. J'aimais pas du tout Crystal Chronicle globalement. Et surtout Force Words. Force Words c'était vraiment cool parce qu'il fallait attendre son pote pour avancer, c'était cool. Comme le Highlink de la PS2, Time Crisis 2 avec deux CRT. Time Crisis 2 avec deux CRT. On pouvait relier Time Crisis 2 en Highlink. Mais non. Putain, ça doit être trop cool. En vrai, ça doit être trop cool. Ah non, pardon, Sumo, c'était par rapport à ça. C'était par rapport à l'autre article. Oh, j'ai été mes 10 ans gratuitement sur Console Plus. Je suis désolé. 64, oh Sumo. La N64 se fait une spécialité des jeux de niche. Ainsi, ce nouveau jeu de Sumo 64, oh Sumo, auto non contractuel. C'est juste pour dire qu'il y a un jeu de Sumo 64. J'aime bien défoncer le mode réseau locaux dans les JV. C'est dommage parce que moi j'aurais bien joué pour le coup à la PS2 en réseau et surtout sur Time Crisis. Alors avec le setup que j'ai actuellement, en plus on pourrait le faire. Si j'avais un invité. Il me faudrait juste une deuxième PS2. Ah non, il faut le port iLink. Donc je suis baisé. Je pouvais jouer que en iLink. Il me faudrait deux FAT. Enfin, deux PS2 FAT, premier modèle qui lisent encore les jeux. Deux Time Crisis, deux Gun. Ça revient cher quand même. La PS2 Slim a pas de port iLink quoi. Ouais, ouais, y a que les premières fois. C'est dommage ça. Ça aurait été cool de faire un stream. Ah oui, un stream dans le salon. Ça aurait été stylé. Ouais. Disque dur IDE. Les lecteurs sont morts. Oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. Ouais. Ou disque dur SATA aussi. Hein. Il y a un adaptateur SATA qui est en vente sur AliExpress maintenant. Le même adaptateur que l'IDE, mais avec du SATA dedans. Apparemment, ils y arrivent. J'ai jamais essayé encore. J'ai jamais eu de PS2 FAT. J'aimerais bien avoir une PS2 FAT parce que c'est quand même plus pratique. Et ma PS2 Slim, elle a quand même l'avantage d'être pucée. Ça me fait un peu chier de devoir repousser une PS2 FAT.
Je pense qu'avec les soft mods, il y a moyen de ne pas avoir besoin de pousser la console. Qui parmi vous se souvient d'un jeu de football intitulé Match Day, sorti sur ordinateur Amstrad et ZX Spectrum au début des années 80? Mon micro va faire des trucs bizarres, c'est normal. Pas grand monde, n'est-ce pas? Pourtant, Acclaim a décidé de faire revivre ce mythique jeu de foot et vous propose une version PlayStation entièrement remontée au bout du jour. Désormais en 3D, Match Day inclut la plupart des équipes qui évoluent à travers le monde. États-Unis, France, Angleterre, Brésil, avec toutes leurs stars, ont rêvé. Plusieurs buts sont disponibles à tout instant et un ralenti est proposé. À tout instant, il se passe un truc. Le micro fait du caca, oui, c'est ce que j'ai dit. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Ça va s'arrêter bientôt. Remarquablement long celui-là. Voilà, mon micro remarche. On passe à la page suivante et on lit l'article sur le Pocket Station. Du coup, les accessoires pour console sont une véritable manne pour les constructeurs, Sony l'a bien compris, qui proposera à la vente d'ici Noël au Japon un tout nouveau concept de carte mémoire répondant au nom provisoire de Mini PDA. Kakota Nissan enquête. Mini PDA, ils appelaient ça. T'es au courant de ça, Delenia? Le Pocket Station s'appelait Mini PDA au début. À la croisée du Tamagotchi et de la carte mémoire et du PDA, Personal Digital Assistant, une sorte d'agenda électronique portable, le Mini PDA est un accessoire bien singulier. Un peu plus gros qu'une carte mémoire traditionnelle, mais sans fonction de sauvegarde. Il est doté d'un écran LCD noir et blanc et se place dans l'une des deux fentes de la PlayStation. La première fonction de cette bestiole serait ludique. Grâce à certains softs particuliers, on pourrait charger dans le PDA via la PlayStation un personnage que l'on désirerait entraîner. Une fois le perso bien en main, vous n'aurez plus qu'à l'introduire dans la PlayStation d'un copain. Lui aussi doté d'un PDA. Pour vous en mettre plein la tête. Plusieurs jeux sont en cours de développement tant en Angleterre qu'aux États-Unis. Déjà. Je savais même pas qu'il y avait des éditeurs tiers qui avaient récupéré ce truc-là. L'extension est basée sur un processeur 32 bits RISC. Ouais. Ce qui explique la récente prise de participation de Sony dans la technologie. Et possède un haut-parleur et une horloge interne. Ce qui nous amène à la seconde utilisation de ce mini PDA, l'agenda. Puisque notre bestiole semble capable de stocker des informations particulières. Nom, téléphone, planning. Ça, c'est faux. Ça, c'est. Quand ils disent qu'il ne peut pas servir de carte mémoire, c'est pas vrai. Enfin, par rapport au Pocket Station, les infos qu'ils avaient étaient pas finales apparemment. Et il n'y a pas d'agenda dans le Pocket Station. Il y a un calendrier, à la limite. Aussi. On note la présence d'un système infrarouge, ça c'est vrai, qui permettra d'échanger des données entre PDA, mais aussi de communiquer avec tout autre système dont l'infrarouge est identique. Les ordinateurs Vaio, les caméras vidéo Stamina DV, les appareils photo numériques CyberShot. Mais si aucun soft n'était développé dans ce sens, ce qui ne semble pas être le cas, la synergie de gamme recherchée ne serait pas possible. Des évolutions alléchantes. Effectivement, il était vendu avec un strap, le Pocket Station, d'ailleurs. J'ai toujours cru que le design arrondi de la Pocket Station venait de celui de la PS1. Ouais, mais en même temps, c'est sorti après la PS1. C'est sorti quand la gamme PS1 existait déjà. Mais là, on est en fin 97, début 98. La PS1, elle est sortie en... quand? Est-ce que c'est sorti avant la PS1, ce truc? Est-ce que ça a été annoncé, je veux dire, avant la PS1? Parce que ça, clairement, c'est le design de la PS1, non? Les évolutions alléchantes. Et pour ne rien vous cacher, il semblerait que les fonctions de cet accessoire ne soient aucunement limitées et puissent évoluer dans le temps. Pour la simple et bonne raison que la nature du PDA dépendra des programmes installés. Ici, j'aurai un perso pour un jeu de rôle et j'effacerai pour mettre le programme de Ridge Racer 4 par exemple. Aujourd'hui, SCEI UK, donc Sony en Angleterre, pense développer entre autres une suite d'applications comme un mémo, un dictionnaire, un carnet de téléphone, un planning. Le Japon pense utiliser le PDA conjointement avec un appareil photo numérique pour y stocker les photos. Bref, le concept est très ouvert. Et si le prix de vente annoncé est respecté, environ 250 francs, Sony risque de faire un malheur auprès des Japonais très friands de ce genre de gadget. 32 pixels par 32 pixels. Ouais, la Pocket Station est sortie avant la PS1, c'est très intéressant, parce que vraiment, visuellement, il n'y a pas de doute. Je pensais que c'était vraiment la gamme PS1.
Et le fait que ça a été annoncé en 97, c'est... Enfin, vraiment début 98 même. C'est pas mal. 5 boutons plus reset. Communication infrarouge bidirectionnelle calendrier en ROM. Le calendrier, ils l'ont pas laissé. Du coup, l'aide d'identification, ça, ils l'ont laissé. Et la pile au lithium. Une seule pile bouton. Pilot Wings 2 annulé. Oh, ils ont annulé Pilot Wings 2 en 97. Vous vous rendez compte? Nintendo ayant refusé de sortir la suite de Pilot Wings, Video System et Paradigm Software sortirait une toute nouvelle simulation de vol sur N64. Pilot Wings, qui pour moi est un des meilleurs jeux 64. Ça, c'est un autre débat. Annonces diverses. Comme vous êtes nombreux à vous soucier de l'avenir de vos titres fétiches, apprenez que oui, Crash Bandicoot avec un Y. 3. L'Odyssée d'Abe 2, Mario 64 2 ou encore Final Fantasy 8 sont en préparation. Mario 64 2 est en préparation, sachez-le. San Francisco Rush 2, Midway vient d'annoncer le début du développement de San Francisco Rush 2 qui s'appelait San Francisco Rush 2048, je crois. Qui est très mauvais, hein, comme l'autre. À part l'aspect ouvert des courses, j'ai toujours trouvé que c'était pas ouf. 2049, sur N64, le deuxième San Francisco Rush. Est-ce qu'on peut l'avoir sans émulation? Ça va être compliqué. On trouve de moins en moins de vidéos sans que ça soit de l'émulation. C'est vraiment chiant. Voilà, sinon elles sont en qualité des années 80. Ok, il est relativement net. Hein. Ça serait plus fou que ça encore. Part 1, Beginner Mode N64. On est sur de l'émulation. Ouais, on est sur de l'émulation. Nintendo 64. Ah, ça c'est pas de l'ému, ça. C'est de l'ému, mais en tout cas ça respecte la résolution de base, quoi. Le site s'appelle emulation64.fr. San Francisco Rush, c'était particulier comme genre de jeu. Je pense que c'est le genre de jeu qui peut plaire. Je peux pas trop dire que c'est nul. Mario 128, bien sûr. Annonce d'hiver, que des bons jeux des années 90. C'est vrai que c'est ça. Tant qu'il nous peaufine la jouabilité. Ah ouais. Ouais. Ses particularités proposaient des courses sur toutes les villes des States et non d'une seule ville, San Francisco. Tomb Raider, presque 3. Alors, c'est un peu plus sur l'avenir de Lara Croft. En effet, certaines indiscrétions nous ont laissé à entendre que la prochaine version de Tomb Raider sur PlayStation serait en fait une version 2.2 de Tomb Raider avec des nouveaux niveaux, de nouvelles armes, lance-roquettes et lance-flammes, et de nouveaux mouvements. Pour ce qui est de Tomb Raider 3, il semblerait qu'Eidos pense à réaliser un jeu totalement différent des deux premiers, mais qui garderait pour vedette la célèbre poupée gonflée à l'hélium. Qu'est-ce que vous imaginiez? Alors, commencez. Aïe, aïe, aïe. Alors, on commence la découverte de Manmalu, The Ninja Penguin, en anglais. Ninpen Manmalu, Ninja Penguin, Ninpen Manmalu. C'est une série de mangas japonaises illustrées par Mikio Igarashi et sortie sous forme de magazine dans le Monthly Shonen Gangan par Enix de 95 à 99. Il y a 48 épisodes animés pour adapter du manga, produit par Shinei Animation, dirigé par Tetsuo Yasumi et diffusé à la télé sur télé Asahi, la même télé qui a les bières aussi, j'imagine. Entre le 5 juillet 97 et le 28 mars 98, son nom officiel anglais est Manmalu The Ninja Penguin. Il n'a pas repris le nom officiel anglais, le monsieur qui a fait la trad du jeu d'ailleurs. Ça aurait été rigolo qu'il le fasse, mais il l'a pas fait. On peut voir que c'est un petit pingouin, un oiseau bleu. Il n'y a pas beaucoup plus d'infos, mais on va regarder un petit peu les infos sur le jeu du coup. De cette série est donc sorti Ninpen Manmalu tout court, qui est un jeu Saturne, uniquement sorti au Japon. Il s'appelle Ninpen Manmalu tout court, jeu 3D action platformer développé par Tam Tam et publié par Enix sur la Sega Saturn. Il est basé sur Ninpen Manmalu, la série animée de 1997. Le jeu sort, comme vous le voyez, le 18 décembre 1997, ce qui est très bizarre.
Vous allez voir pourquoi. Je vous expliquer pourquoi. Je trouve que la sortie de décembre 97 est un peu bizarre. Je me demande si c'est juste. Ouais, l'arrière de la boîte avec les dessins de l'anime, enfin du manga ou de l'anime d'ailleurs. Ici, on voit des images d'écran qui ont été prises en photo, manifestement. C'est assez, assez troublant, mais cette époque existait encore, manifestement, sur Saturn. Il y avait encore des gens qui prenaient les écrans en photo. Et la jaquette, toute choupinou kawaii, bien sûr, vous permet d'admirer un peu les personnages que vous allez rencontrer dans le jeu. Très hâte de commencer. Avec le disque, plutôt classique, mais efficace. Ou plutôt classique, pour le coup... avec Ninpen jusque-là, et c'est tout. Avec le logo Enix. Enix qui ont fait énormément de RPG, bien sûr. Tam Tam. Alors, on va s'intéresser aux développeurs de ce jeu, qui sont du coup responsables de Etrian Odyssey, Danganronpa aussi, donc plein de grosses séries de jeux d'aventure et de RPG, puisqu'on parle d'un développeur qui était un peu sous le joug de Enix, qui a beaucoup travaillé avec Enix. Il a beaucoup travaillé avec Neck Avenue, avec Banpresto aussi, pour des jeux à licence particulièrement. Et c'est assez intéressant de voir que ils ont fait quasiment que des jeux type RPG. Et ce fameux Ninpen, pardon, Manmal. J'ai eu un truc. Et aussi gros Lancer, j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer à ce jeu. Ça avait l'air super stylé. Il n'y a même pas un screenshot. Hobby Games, il manque un peu de ressources. Hein. Gros Lancer, c'est un jeu. Gros Lancer, c'est pas un jeu. Ouais. Voilà. Il y a eu un test, alors une preview japonaise sur Console Plus en import. Et c'est là que la date de sortie me fait un peu douter. Puisque Console Plus a testé le jeu dans le numéro d'octobre 97. Quand ils faisaient des previews, en général, ils avaient le jeu, soit le jeu était déjà sorti au Japon et ils avaient au moins fait des screenshots, quoi. Mais c'est marrant de se dire que le jeu serait sorti en décembre et que Console Plus avait déjà fait un test. Et surtout, ici, ils annoncent une sortie pour octobre. Du coup, ça m'étonne vraiment fort que le jeu ait été repoussé ou quoi. Je pense vraiment, peut-être qu'on a juste pas la bonne date de sortie du jeu. Bref. Ninpen Manmaru. Après le fantastique Sonic World, il fallait s'y attendre, les éditeurs ont assimilé les codes de programmation et ils vont de leur titre. D'ailleurs, Frogbull, il a assimilé les codes de programmation de la Saturn apparemment, et ils vont de leur titre. Voici venir une tripotée de pingouins tueurs. Ninpen Manmaru est inspiré d'une célèbre série télévisée nippone qui retrace les aventures de pingouins ninja dans le Japon médiéval. Le principe du jeu est semblable à celui de Sonic World, lui-même identique à celui de Super Mario 64. Sonic World, c'était Sonic Jam ? Pourquoi il parle ? Je crois qu'il parle de Sonic Jam, on dirait. L'espace 3D est totalement ouvert et on peut se déplacer où bon nous semble à l'aide du pad analogique. Ah, c'est vrai que je l'ai pas sorti, le pad analogique. Une foule d'actions est possible, rebondir ou détruire les décors, sauter, lancer ou soulever les objets, courir, voler, bref, Ninpen Manmaru repousse encore les limites de la Saturn. Enix a même pensé à inclure des mini-jeux, Enix qui n'est pas le développeur du jeu, à inclure des mini-jeux comme celui où l'on dirige son personnage à l'aide du double joystick de Virtualon dans un duel sans merci. Oh, incroyable. Vous connaissez la manette ou pas? Je vous la montre. Sur Saturn, il y avait Virtualon et il y avait un pad spécial à l'époque. Il y avait ce pad qui existait sur Saturn avec les deux sticks gigantesques dessus. C'était pas gigantesque, mais ça faisait une grosse manette quand même. Et du coup, apparemment, Ninpen Manmaru en tire parti et vous permet de jouer en mode multijoueur dans une arène 1 contre 1. J'ai pas vu le mode multi encore. Il est compatible aussi pas d'analogique, le jeu, d'ailleurs. Donc, le principe de Virtualon, c'était de diriger le vaisseau, le robot avec les sticks. Et quand vous faisiez des directions... selon les directions que vous faisiez, vous pouviez faire tourner le robot avec... genre, si vous faisiez le stick droit, par exemple, en avant, vous aviez le robot qui allait tourner un petit peu vers la gauche. Ça vous permettait de déplacer le robot... de manière un peu comme dans un méca géant.
chose que Steel Battalion ou Teki sur Xbox avec sa manette gigantesque avait repris et qui avait été plus simu, on va dire. J'aime bien dire qu'il était simulation, mais c'était un peu ça. Voilà, la plus grosse manette que j'ai jamais vue de ma vie, avec des boutons lumineux. La fameuse manette de Teki, alias Steel Battalion, était sortie sur Xbox. Il était qu'en commande, ce jeu. Il n'était pas en vente dans les magasins. Les magasins qui vous le revendaient, ce jeu, ils l'avaient commandé spécialement sur le site de Microsoft, puisque il n'était pas en vente libre. Il était vendu dans cette espèce d'énorme carton qui ressemble à une boîte militaire, simplement. C'est très très cool, hein. C'est un très bel objet à avoir aujourd'hui. Un peu compliqué à avoir aujourd'hui. Hein. Steel Battalion, c'est stylé. Aujourd'hui, ça doit valoir cher. Les niveaux sont assez colorés et détaillés. Pour le moment, le sol disponible se distingue par une superficie assez vaste et très accidentée. Mais apparemment, du coup, ils avaient accès à des builds de dev. La voie semble tracée sur Saturne en cette fin d'année, la 3D à la Mario 64 est à l'honneur. Reste à attendre que Sega dévoile son projet pour être fixé sur les nouvelles possibilités offertes par la machine. Je sais pas de quoi il parlait, de Sonic World. Qu'est-ce que c'est Sonic World ? Sonic Jam ? Ninpen Manmaru est un héros de dessin animé populaire auprès des jeunes japonais. Les plateformes volantes dans le ciel sont un passage très délicat. C'est vachement cool, hein. Graphiquement, le jeu est vraiment, vraiment... Ouais, on voit les nuages en VDP2 ici. La fameuse manière de faire des nuages bien, bien propres. Et voilà. Est-ce que j'avais regardé, là ? Ah oui, alors ça, c'est la traduction qu'on va utiliser, du coup, pour jouer au jeu. C'est une localisation qui a été faite par Darkfalzix, exactement. Voilà, c'est une localisation tout en anglais, complète du jeu. Elle a été faite en 2000... Elle a été commencée en 2001 par Simon Fang, Alex Kidd et Café Alpha. Et la version de cette version-là, la version finale, elle rajoute des éléments graphiques aussi pour les traductions. Ils ont traduit les cutscenes sans sous-titres. Peut-être qu'ils ont refait le doublage. Tous les menus et les éléments graphiques, comme les transitions de niveau et les écrans, ont été traduits. On peut voir ici une magnifique map en 2D qui est d'une beauté magnifique. J'adore ce genre de choses. Et le jeu, hein, vous voyez déjà un peu des images du jeu. Et les niveaux futurs qui commencent à déjà me mettre des sueurs froides juste à les voir. Avec des séquences un peu complexes de plateforme, mais bon, on va se forcer, on va essayer d'avancer dans le jeu. Ça va être rigolo. Et on va passer à l'instant Bailly, puisque ça y est, on a fait le tour de la découverte. What are you buying? Qu'est-ce que vous voulez acheter sur Bailly? Eh bien, vous pouvez acheter, par exemple, Ninpen Manmaru, grâce au service de Bailly. Bailly, c'est un proxy qui vous permet d'acheter sur Mercari, Yahoo, Japan Auction, qui va nous intéresser, nous, mais plein d'autres magasins, Rakuten, Rakuma, Zozotown, plein de magasins. On peut voir que d'ailleurs j'ai tapé seulement Ninpen Manmaru, ça va nous permettre d'avoir plein de choses, et pas seulement le jeu Saturne. On va avoir aussi des éléments de l'anime et du manga. Donc ça peut être vraiment très intéressant. On peut voir par exemple que le jeu est très cher, avec une soixantaine d'euros en moyenne pour une version Saturne. On peut voir qu'il y a beaucoup de manga dispo. Il est disponible en 9, sous blister aussi d'ailleurs. Voir ici que cette version-là n'est pas complète et pourtant elle coûte 60 euros. Il n'y a pas la spin card, il n'y a vraiment que le strict nécessaire, c'est-à-dire le CD, la notice et la boîte. La version neuve ici à 130 euros qui a l'air en parfait état. Le mec l'a payé 980 yens. Allez! On va se faire une petite culbute, 980 yens, on va le mettre 20 000 yens, c'est bien. On a ici les tomes du manga, pof, c'est évidemment un manga qui vaut pas cher, hein. C'est un truc, tant que ça a du succès au Japon, c'est pas un truc qui va valoir très très cher. Hein.
Et c'est assez intéressant de voir les tomes disponibles. Les tomes. Tomes, on dit. Tomes. Ok. Ah oui, d'accord, il était en démo dans Sega Saturn Volume 23, dans Sega Flash. Intéressant. Donc il y a des CD de démo qui sont en vente aussi, ils sont très très chers, les CD de démo Sega Saturn. Parce que je crois qu'ils étaient filés dans les magasins. Je sais plus si c'était filé dans les magazines ou dans les magasins au Japon. Je crois que c'est assez compliqué de choper un... de choper ces CD-là. Nintenmanaru... Bah, il y est... Ah oui, il est là. Il est là. Effectivement. Il y a Nintenmanaru dans, dans le CD de démo. Intéressant. Il y a même les différentes touches des manettes. Et est-ce qu'on peut trouver un autre jeu juste pour voir si c'est bien 60 balles le jeu ou on peut le trouver moins cher? Ça m'embête un peu que ce soit si cher, j'aimerais bien l'avoir. Il est tellement bien. Il est tellement joli et tout. On voit que le jeu fait de son mieux, quoi. Il y a des jeux comme ça quand tu les mets dans ta console. Là, il n'y en a qu'un. On va chercher sur Yahoo Auction. Il n'y en a qu'un sur Mercari. C'est tendu. Hein. On va voir, ouais. Il y a des jeux comme ça que j'adore jouer. Juste par exemple, Jumping Flash sur PlayStation, il me fait le même effet. C'est que le jeu vraiment est fun, quoi. Tu peux pas y jouer sans avoir un peu la banane, quoi. Sans sourire un peu, quoi. Ah, 260 celui-là. Au lieu de 130. Si vous aimez les jeux blistés, je vous plains. Encore un. 326. C'est bien, plus ça va, plus c'est cher. Je sais pas jusqu'où on va aller, mais c'est un peu abusé quand même. Il y a un gars qui le vend 130, les gars, si vous le vendez si cher, je pense pas que ça partira. Hein. À mon avis, les gens font des recherches. Hein. Malheureusement, il n'y a pas d'autres jeux. Il n'y a que des jeux neufs, quoi. Ou alors un jeu cher. Alors celui-là, il est d'occasion à 278€ et il n'y a pas la vraie photo du jeu, j'ai l'impression. Ah, le mec a mis une photo stock du jeu, quoi. Ça, c'est chaud. Jamais, jamais acheter ça. Toi, à 300 balles, le jeu, il y a marqué Damage Dirty. Sur la photo, il est neuf et il vient d'un magasin, ce truc-là. Donc venez pas, faites attention à ça. Il y a un tuto d'ailleurs dans le chat qui a popé quand j'ai fait l'instant Bailly. N'hésitez pas à aller le voir si vous êtes intéressé par acheter des choses sur Bailly. C'est normalement assez complet. Et on va passer au jeu. Ou motion. Regardez-le comme il est mignon. Il est 22h, on commence à jouer, ça va. C'est une bonne moyenne. On est déjà presque un ninja. Bah, il va tomber de haut sans se faire mal, en tout cas. Ça crie. Le jeu qui hurle. Mamaru a l'habilité d'utiliser le
l'art divin du Nenga clan. Malheureusement, il n'arrive pas à l'utiliser à son potentiel, à son plein potentiel, c'est ça? Comment puis-je remédier à cela? Oh, je sais. J'ai une excellente idée. Eh bien, il faut que je commence à faire le nécessaire, les arrangements nécessaires. Votre Nenga! Vous m'avez demandé? Mais le maître Nenga n'est pas là? Les sous-titres, par contre, c'est un peu. Peut-être qu'il est en retard? Me voilà! Manmaru. Super, maître Nenga! Bravo! regarde cette carte. Après ça, tu vas devoir aller au manoir ninja. Il se trouve sur la carte. Est-ce que Tanutaro et Tsunejiro peuvent venir avec moi? Non, c'est ton entraînement. Donc tu vas devoir te débrouiller pour aller à chaque objectif de la carte. Tout seul? Exactement. Tu dois atteindre chaque point en un temps limité. Donc tu n'auras pas le temps de traîner. Et à chaque point, tu vas devoir combattre un boss qui t'attend. Si tu gagnes, et seulement si tu gagnes, tu pourras continuer. Par contre, si tu perds, ce sera un échec. L'aventure sera longue. Et beaucoup d'événements risquent de t'arriver. Beaucoup d'événements imprévus risquent de t'arriver. T'as pas l'air chaud. Malheureux. Papier origami préféré t'attend. Au bout du chemin. Ce n'est pas n'importe quel origami. C'est celui, c'est l'origami doré. L'origami en or. Quoi, vraiment? Feuille d'or? La même couleur que Jima m'a demandé? Que Jia m'a demandé? Ouah, trop cool. Ah. La couleur dorée. Papier origami. Maître Nenga, je ferai de mon mieux. En tant que ninja du clan Nenga, reste sur tes gardes. Compris. Compris, Manmaru. Je fais attention, j'y vais. Et le jeu commence. Let's go, Harappa no Maki. Dancing Plains. Hey, Manmaru. Hey, Manmaru. Oh, Tanutaro. Pourquoi tu es là? Parce que je suis ton premier boss. Un concours sera tenu de l'autre côté du champ. Je t'attendrai là-bas. Alors, viens vite. Allez, à plus. C'est lui qu'on affronte en premier, c'est son pote. Chargement. Et là, le jeu commence. Et là, c'est très impressionnant. Un jeu en belle 3D sur Saturne, mesdames, messieurs, regardez donc.
Et avec les meilleures musiques. J'ai pas sauté. Ouais, c'est B pour sauter, c'est pas grave. Ça fait très très Sonic, Sonic Jam d'ailleurs dans le dans l'esprit. On peut forcer à marcher, j'avais complètement zappé ça. Ça fait pas si longtemps que j'y ai pas joué, mais... Donc en gros, les boutons, c'est croix directionnelle pour se diriger. Mais en fait, on court tout le temps quand on fait croix directionnelle. Si on veut tourner sans courir, faut faire L et R. Pour forcer Madmalou à marcher, on fait C plus déplacement. Et B pour sauter. Et A, ça sert à rien. Il fallait aller là. Et je crois que si on est en l'air, quand on est en l'air et qu'on fait... Ah oui, XYZ, c'est pour changer de caméra. Il y a une caméra très vue de haut et une caméra un peu plus rapprochée de maintenant. Une caméra qui permet de regarder en haut et en bas. Alors, on va aller là d'abord. J'ai perdu beaucoup de temps à retrouver les boutons, mais ça y est, ça revient. Ça revient du... Caméra, on va aller là-haut. Merci, vous utilisez la plateforme. Ça. Bon, il faut un petit moment de réadaptation, bien sûr. Et surtout, c'est fluide par rapport à ce qu'il y a à l'écran. Je trouve ça trop bien. On voit aussi les optimes. On voit qu'il y a beaucoup, de passages où les décors disparaissent. Faut pas faire de miracle, hein. Et c'est un peu mon Jumping Flash Saturne. Juste beaucoup plus dur. Jumping Flash étant, étant excessivement simple. Je pense que n'importe qui peut finir Jumping Flash. Il n'avait pas du tout été fait comme un jeu challenge. Là, le problème, c'est que c'est Enix qui fait le jeu, donc j'ai l'impression qu'Enix, ils ont toujours un peu des habitudes de faire des jeux pour les hardcore. Et je sais pas s'ils ont vraiment l'habitude de faire des jeux casu, quoi. Parce que là, clairement, il fallait que ça soit un jeu casu, normalement. Donc ça se destinait aux gens qui étaient fans de Madmalou. Et c'est un truc pour enfants, quoi. Il y a plein de licences comme ça, hein, qui ont eu des jeux un peu pétés au sol du fait que c'était des hardcore, des développeurs hardcore qui leur avaient fait le jeu. Quoi. Alors je crois pas que je puisse vraiment les affronter. Non, j'ai une attaque, mais je crois pas. Ouais. Après, il nous apprend plus ou moins à marcher, parce qu'en marchant, on peut les avoir. Et pas en courant. Oula. Ah merde. Pardon. Et voilà. J'ai fini le premier niveau. Deuxième niveau. Ça veut dire allons-y, mais je sais pas ce que ça veut dire tôt. Je sais ce que ça veut dire gambale, mais je sais pas ce que ça veut dire tôt. Ça doit être une particule qui doit insister sur le fait d'y aller. Je me demande si c'est pas... C'est insister tôt en japonais ? Enfin, je sais plus. Je connais que... Normalement, sur Duolingo, j'ai appris que la particule wa. Oh mince. Ça ralentit. Ah mais ça m'empêche de sauter en plus. Ah oui, d'accord. Gambaluzo. Il a dit Gambaluzo ? Il a pas dit Gambaletto ? Gambaluzo ! Ou Gamblarusso ? Il y a quoi là-bas ? Ah bah je peux pas y aller. Je vais déjà finir le niveau, mais... Okay.
Après, le boss, je sais plus comment on l'affronte. La musique change. Pas ce que vous en pensez, ou pour ceux qui ont connu la Saturn à l'époque, je trouve quand même que la 3D est vraiment, vraiment honnête. Je peux pas passer là ? Non, c'est plus. Ouais. Bon, bah allons-y. Ça m'étonne que je puisse pas le pécho, ce truc-là. Ah, si, je peux. Ah, si. J'aurais dû peut-être casser les gommes, plutôt. Ça, c'est pour aller vite. Oh. Oh non. Oh non. Mais ça me fallait moins vite. En fait, c'est que des malus qu'il y a dans le jeu ou quoi? Je crois que c'était un bonus. Déçu. Un peu déçu. Et c'est des sprites, les palmiers. J'ai pas capté. Je me concentre à chaque saut. Et je crois que plus tard, de toute façon, tu peux pas vraiment te concentrer à chaque saut. Parce que le jeu te fait gentiment comprendre que c'est pas possible. Par contre, il y a un truc qui me turlupine un peu. J'ai l'impression que sur console plus, c'est pas le même jeu. C'est pas la même. Il y a des choses qui ont changé. Ne serait-ce que l'ombre de du personnage n'est pas la même. Alors là, il y a une ombre qui est jolie, entre guillemets. Enfin, une ombre à la belle transparence. Et console plus. Ah ouais, c'est marrant ça. Console plus, ils mettent une ombre dégueulasse. Ils mettent une ombre en mèche. Une ombre classique Saturn, en fait. Le personnage. Donc peut-être que, en fait, la date de sortie, c'est peut-être ça. Peut-être qu'en fait, Enix avait des préversions qui montraient à la presse au Japon. Et du coup, la version finale, eh ben, elle a les ombres meilleures et tout et tout. Et il a peut-être été repoussé de octobre à décembre, alors. Pour finir un peu mieux le jeu. Là, vous voyez, l'ombre, elle est belle. Je me demande si c'est pas ça l'astuce. Je me pose des questions. Quelqu'un qui se pose des questions. Ah ouais, on peut pas en fait. On est obligé de prendre l'autre d'à côté. Je suis arrivé plus loin que ça, hein, vous inquiétez pas. On va passer les niveaux. L'astuce, oui. Et l'espièglerie. Ça, c'est la vie de Candy, ça. Après, tu sais qu'elle rêve et qu'elle imagine tous les soirs en s'endormant que le petit prince des collines vient lui parler doucement. J'imagine que tu sais ce qu'elle fait pour chasser la tristesse. C'est bizarre, c'est... Dit comme ça, c'est méga bizarre, par contre. On sait tout ce que fait Candy pour chasser sa tristesse, hein. Vous savez, dans le village, tout le monde la connaît. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Je cherche la tendresse. Galine hein. Est coquine, en plus. On sait ce qu'elle fait, vraiment. Je pense qu'elle a de mystère pour personne. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire. Je joue mal. Bon, allez, faut que je me... Concentration. Aline est coquine, toujours jolie. C'est Candy, Candy. Oui, bon. Non. C'est pas tranquille. Meurs. À chaque fois, je saute dessus quand il s'éloigne. Vraiment que j'arrête de mal jouer. Je joue bien. Allez, à trois, on joue bien. Je cherche la tendresse. Allez, les coquines. Toujours jolie. Candy. Candy.
C'est tellement pas ma génération qu'on dit. C'est diffusé, mais c'était pas du tout. En même temps, j'étais pas la cible, en théorie. Sachez. Que la musique est juste un crin, perso. Et hop, passe-moi l'éponge. Et c'est le boss, je crois. Oh non, il y a encore un niveau. Et je crois que c'est le niveau avec des trucs cachés, ça. Je me trompe pas. Alors, il y a des trucs cachés dans les niveaux. En mode, je les ai pas cherchés dans les premiers niveaux. J'aurais peut-être dû passer un peu plus de temps dans chaque niveau. Mais si on prend un rocher et qu'on le lance contre un motif, un certain motif sur les murs, on peut casser les murs et trouver des passages secrets. Donc, par exemple, on se met là, on récupère ce rocher. Et si on le lance... Ah merde, on fait juste tomber, ça l'a pas cassé. Ça aurait été pire. Apparemment, c'était pas là. On savait, mais non. Est-ce qu'on peut monter sur les palmiers? Je sais plus. Bon, on va avancer. J'arrive pas à comprendre comment le jeu veut que j'aille sur les palmiers, par contre. Ça me paraît... Ah, en posant le rocher, peut-être. Genre en prenant le rocher et en le posant. Oh, ça va. Shot un peu, hein. Et d'accord. Donc on peut pas vraiment monter sur les palmiers. Le but, c'est juste de prendre les items qui sont sur les palmiers, à mon avis. C'est quoi? Est-ce que c'est enfin un avantage, ce truc? Ou c'est encore une arnaque? Merde, j'ai cassé le caillou. Ah oui. Le canon. Ah, il y avait des moyens en modèle 3D. Hein. Des petits losanges, là. C'est pas très pratique, les losanges, pour la Saturne, en plus. Ah bah si, c'est des quads. On peut faire un losange en quad avec la Saturne. La première fois que j'ai joué à ce jeu, c'est là que je me suis bloqué. Parce que je savais pas qu'on pouvait faire LR pour tourner sans courir. Je crois qu'on était toujours obligé de courir pour tourner. Et sachez que si vous faites LR, si vous regardez cette vidéo et que vous venez de découvrir Ninpen Manmalu, sachez que vous pouvez courir en appuyant sur LR, tourner en appuyant sur LR. Et ça vous permet de ne pas courir bêtement. Et donc de peut-être pouvoir vous sauver la vie, sauver les miches. Là c'est quand même fou hein. Tu me montres ça à une certaine époque, je te dis c'est un jeu PS1. Hein. Ah. Envie de chialer. Un peu envie de chialer. Il me reste un peu de temps. Avec beaucoup de retard. Ah. Attends, je sais même pas si dans le beat, dans le... Il y en a plus que ça, de toute façon, c'est le premier monde qui a deux... Je crois qu'il n'y a que deux musiques dans le premier monde. Mais dès que tu changes de monde, il me semble bien que ça change. Ah, mais je l'ai pas, j'ai plus l'ISO sur moi. Attends. Je vais la récupérer, je vais te dire. Mais je sais plus. Je sais plus combien il y en avait. Oh, intéressant. Ninpen.
Mais il y en a plus que deux. Je vais acheter l'album. Dis ça parce que t'aimes la musique ou parce que tu ironises? Parce que c'est la spécialité de pas mal de gens d'ironiser, notamment moi. J'assume pleinement. Je suis du genre à beaucoup parler au second degré. Ouf! C'est chaud. Goal! Donc c'est la fin du niveau. On arrive au boss. Et je crois que c'est un concours d'attrape quelque chose. Faut attraper des items plus vite que le boss. Le boss. Pas évident du coup. Il n'y a qu'une seule piste audio visible dans l'ISO. Malheureusement. Ronisez, il ronise. Je ronise, tu ronises. Là, tu es venu! Enfin! Mademaru! Pas vite! Vraiment pas vite! Une limace est 98 fois plus rapide que toi. Désolé! Désolé! Le gagnant sera celui qui collectera le plus de pièces dans ce champ. Je ne te laisserai pas passer aussi facilement. Allez, viens, Mademoiselle. Oui, Tanutaro. On va faire ça. Il n'a pas l'air très à l'aise. Le pauvre Mademaru, il a pas l'air bien. Mais les musiques sont cool, enfin moi j'aime bien la musique. Mais c'est vrai qu'elle est un peu répétitive, ils l'ont mis un peu trop dans tous les niveaux. Et c'est parti. Il a déjà ramassé cela. Quel bâtard. Ramassé cela. C'est mathématiquement déjà perdu, je crois. Ouais. Il va écraser. Je crois qu'il faut que je le gêne. Faut pas que je le fasse dans mon coin. Pas maniable. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la dernière, mais je suis gagné quand même, non? Je l'ai battu. J'ai déjà joué au jeu. Oh, on peut sauvegarder. Eh ben, on va sauvegarder. Système memory ou backup card? Oh, j'ai perdu toutes mes sauvegardes, c'est vrai. À cause de Hagan Eren. J'avais oublié. Hagan Eren, si tu nous écoutes. Merci MetaBéléo. Merci pour le GG. On avance. Galloping Glotto. C'est marrant le bruit d'annulation. Comment je quitte le menu? Are you sure? Oui. Ah, ça sauvegarde. J'ai déjà sauvegardé. Ah d'accord. On est obligé de quitter en sauvegardant. C'est bizarre. Bref. Okay. Niveau 2. Ta pile est morte ou t'as suivi les conseils? Non, non. Des conseils conseillants d'un bon conseiller. Non, c'est pas ça. En fait, c'est que Hagan Eren est venu et qu'il avait sa pile qui était morte, il avait changé. Frère, il fait froid. Attends. Est-ce que tu peux me donner quelque chose?
Oh, tu sais, j'ai rien de valeur sur moi. Oh, si tu veux, j'ai des pièces par contre. Et... Je n'en ai pas besoin, maître Nenga. M'en a donné quelques-unes. Elles sont marrantes, les cinématiques. C'est dommage que les sous-titres soient lents. Oh non, mais tu ne serais pas Monroe? Tu ne veux pas avoir un concours avec moi par hasard? Oui, mais plus tard. Il fait vraiment très froid. Il va mourir ou quoi? Alors j'y vais, salut. Anna Monroe! C'est tout ce que tu avais à me dire? Ouais, donc du coup, j'avais une pile dans ma Saturne qui marchait, et à Ganeren, un viewer et un pote, il est venu chez moi pour que je ressoude sa puce parce qu'elle s'était dessoudée. Le fil qui relie la puce au contrôleur du lecteur de CD-ROM de la Saturne, le seul fil qui part de la puce et qui va vers un composant de la console qui n'est pas l'alimentation. Et y a la nappe en fait, il y a l'alimentation et il y a cette fameuse puce, et ce fil s'était dessoudé. Et il a dit, et j'arrive pas à avoir de sauvegarde aussi, pourtant j'ai mis une pile neuve dans ma console et ça marche pas. Et il a dit, je viens de l'acheter la puce, la pile, je l'ai mis dans la console et elle marche pas. Et du coup, vu qu'on n'avait pas de pile neuve, j'ai été obligé de sortir la mienne de ma Saturn pour tester sa console. J'étais sûr qu'il y avait rien de valeur comme sauvegarde, mais c'est vrai que j'avais pas sauvegardé Ninpen Malou. Dans la console, mais sur la carte mémoire. Et même pas sur la carte mémoire, du coup. Donc du coup, j'avais aucune de mes sauvegardes. Mais là, ça va, je recommence le jeu, donc c'est cool. Là, on arrive au niveau 2. C'est à peu près là que j'ai abandonné, je crois. Parce qu'il y a plein de nouveaux éléments, vous allez voir. Voilà. Là, il y a déjà des trucs chelous. En mode... ça fait un peu Crash Bandicoot, d'ailleurs. Et là, j'ai un vrai bonus. Les vrais bonus qui permettent d'aller vraiment plus vite. Là, on voit que, par contre, la 3D fait un peu n'importe quoi, puisque... on est sur des objets... je sais pas, en fait, j'ai l'impression que les objets statiques sont pas forcément... sont pas forcément obligatoirement trop complexes à afficher. Par contre, les objets dynamiques, ça a l'air compliqué. Je pense que ça a pas trop de lien. À mon avis, à partir du moment où c'est de la 3D, tu peux les bouger, quoi, mais... Tu vois, cette impression que les objets qui bougent dans les jeux sont plus simples que les objets qui bougent, quoi. Genre, là, le sol, il est plus complexe qu'une plateforme. Alors que les plateformes, c'est juste des objets en 3D, mais qui bougent, quoi. Enfin, je sais pas. Peut-être que je suis un profane et que je dis n'importe quoi. Je m'étonnerais pas. Vous avez vu un peu tous les effets d'éclairage, les effets... Enfin, la 3D, elle est quand même sacrément cool. Hein. Je rappelle qu'on est sur une Saturne. On dirait trop pas. Où il va aller, là? Et là, je peux y aller. Ouais. Ah, j'ai oublié de sauter. J'ai pas sauté. J'ai pas sauté. Je suis souvent pris de panique dans les jeux de plateforme. Du coup, ce jeu-là, il pardonne pas. Pourquoi j'ai pris de l'énergie alors que j'étais full life? Mais admettons. Admettons. Pas mal, c'est pas mal. Là, franchement, belle perf pour l'instant. C'est pour ça qu'ils ont mis une caméra fixe sur Crash. Pour éviter ces problèmes-là, oui, oui, c'est clair. De toute façon, en game design, Crash Bandicoot était très, très en avance. Et par contre, alors il y a une interview méga intéressante, je sais pas si je peux la retrouver facilement,
Mais il y a le créateur de Crash Bandicoot qui a fait une vidéo sur YouTube où il parle extensivement de la sortie de la PlayStation, le fait qu'ils aient... Enfin, il explique comment fonctionne le kit de développement. C'est très très intéressant et c'est moderne, c'est très récent. Genre Crash Bandicoot Making of, c'est pas vraiment un making of, mais c'est une vidéo Andy Gavin, c'est ça, exactement. C'est War Stories, voilà. Copier le lien, hop, c'est ce lien là. Et du coup, la vidéo est très 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 intéressante. C'est le chef ingénieur, j'imagine, ou quelque chose comme ça de Naughty Dogs, qui explique un peu ses premiers contacts avec la PlayStation. I would like just try erasing parts of them that I thought I wasn't using and see if things still worked. If they did, I would mark them as available. I just hacked their code by just changing the bytecodes. And I'm like, you can. Et au final, en changeant le code que Sony avait fait pour son SDK, il l'a amélioré et il a aidé Sony à travailler sur pour que les développeurs aient accès à encore plus de ressources de la PlayStation. Plus intelligemment et tout ça, c'est le cerveau de Crash et Jack and Dexter, c'est pas personne. C'est le cofondateur de Naughty Dog. Et cette vidéo-là, elle est méga intéressante pour comprendre comment la PlayStation fonctionne. Moi, la PlayStation, pour moi, ça a longtemps été juste une machine qui avait une puce spéciale 3D et qui était que les gens utilisaient normalement et que tout se passait bien. Mais en fait, elle avait quand même pas mal d'éléments où tu pouvais faire du custom, tu pouvais faire des trucs un peu chou. Mais par rapport à la Saturn, c'est incomparable. Hein. La Saturn, c'est même obligé de faire du custom et des trucs chelous. Alors que la PlayStation avait quand même des facilités. Mais en fait, Naughty Dogs a prouvé qu'on pouvait faire un peu ce qu'on voulait sur PlayStation. N'hésitez pas à la regarder, elle est vraiment cool et je crois qu'elle est même sous-titrée en français. Elle n'est pas sous-titrée en français, mais vous pouvez utiliser une fonctionnalité de YouTube qui est quand même assez prodigieuse. Il faut aussi dire quand ils ont des bonnes idées. C'est anglais généré automatiquement. Et ensuite, vous mettez genre traduire automatiquement en français, par exemple. Et en général, ça se passe vraiment bien. Étonnamment bien, en tout cas. Moi, même mes vidéos, je suis assez étonné de les voir comme, des fois comme ça. Alors, nous trouvions comment en tirer le meilleur parti. C'est plutôt clair, si vous ne comprenez pas l'anglais, ça reste un truc vraiment très très possible à utiliser. Quoi. Il a hacké les Libsony pour gagner de l'espace mémoire, et puis il a réussi à faire des animations complètement délirantes, avec plein plein d'infos d'animation. Il a expliqué un peu comment il a compressé les animations. C'est super cool, et puis il a expliqué aussi les outils 3D qu'ils utilisaient à l'époque. Enfin, il y a plein de trucs vraiment fascinants dans cette vidéo. Je vous encourage à la regarder. Je vais passer sur le côté ou pas? Je pense pas. Hein. Ce serait trop beau. Ouais, une super interview, un truc vraiment intéressant. Il y a aussi Game with Dev avec... Il y a une autre vidéo qui m'avait vachement intéressé. C'était de l'époque où Double Fine Game faisait des vidéos YouTube. Ils invitaient des développeurs, notamment ils ont invité, enfin c'est pas un développeur, mais c'est un grand monsieur du jeu vidéo, ils ont invité Romero pour parler de ses nouvelles maps de Doom, et à un moment il a toute une réflexion sur le level design qui est ultra intéressante, où il dit « la symétrie elle est importante dans le level design, mais la première chose que vous devez faire c'est la casser ». Quand vous faites un niveau, vous montrez une symétrie, et vous la cassez pour bien montrer aux joueurs « Ah oui, c'est vrai, cette salle était symétrique, je m'en souviens, mais il y avait ce passage-là qui était obstrué, je pouvais pas y aller, et du coup, le joueur va s'en souvenir. » Et il explique comment faire des souvenirs, comment marquer le joueur et faire un bon level design, en fait. Salut Arax, j'espère que tu vas bien. Tout à l'heure, on parlait de faire des cartouches Saturn. En vrai, ça me donne bien envie, quoi. Et ben voilà, j'ai fini le premier niveau. Ouais. Trop fort à rien attaquer. Et j'espère que tu vas bien du coup. Oh non. Je sais que ça n'est pas passé, sinon il aurait dit il manque un mondial. Après j'ai très peu de caractères restants. Je crois que j'ai retiré le E de mondial parce que j'ai plus de caractère. Dans le titre. Et je pense que le moins choquant pour moi, c'était ça. Après je peux enlever. Qu'est-ce que je peux enlever?
Fantrad. Genre, je mets trad à la place de fantrad, comme ça je peux mettre le E à mondial. Au milieu des années 90, l'avenir c'était c'est le CD 32. Le CD 30. C'est le CD, pardon, 30 ans plus tard. On veut des jeux Saturn sur cartouche. Ouais, c'est clair. Les cartouches Saturn, il n'y avait pas un support CD dans cette console. Non, mais en fait, entre nous et Rax, entre nous soit dit, tu fais des cartouches dans la vie. Tu connais le Saru. Tu sais, Saturn, Saru. Le Saru, bon, déjà, c'est un sorcier, quand c'est un homme, mais ça coûte combien? Oui, je vais sur AliExpress, jugez-moi. C'est cher? Ah d'accord, non, en fait, c'est beaucoup trop cher. Donc j'ai rien dit, en fait. Pas intéressant. C'est vrai qu'un Saru, c'était 40 balles. C'était l'intérêt du Saru. Mais 100 euros, c'est cher, en fait. Autant prendre un Fenrir, à 120. Autant payer un peu plus et avoir une compatibilité de 100%. Plutôt que d'acheter un Saru à quasiment au même prix. J'étais sûr que le Saru était à 40 euros. Ah bah oui, il est à 40 euros, là. Du coup, Erax, est-ce que tu penses qu'on peut faire des cartouches avec des mémoires en lecture seule de jeux Saturn, plus petites, plus jolies, avec des jeux dessus? Il y a peut-être des versions différentes du Saru, mais là, par exemple, si on veut faire des cartouches Saturn avec des jeux dessus, il faudrait vraiment le minimum syndical possible, donc le moins cher possible. Là, on voit qu'ils arrivent à le vendre à 34,69. Il y a peut-être moyen de faire des belles repros de jeux Saturn en mode... avec beaucoup plus de place, puisque la mémoire flash coûte que dalle par rapport à ce que contient un CD, par exemple. Donc, je sais pas. Un projet sur le SD to SNES, mais ça n'a jamais abouti. Sur le SD to SNES, mais c'est vachement compliqué, le SD to SNES. Parce qu'il y a du FPGA et du bordel dedans pour plein de trucs. Pour plein de types de cartouches, alors que là, tu prends juste le système qui charge le jeu. Tu mets le jeu en lecture seule sur une puce donc qui sera forcément moins cher que de la NAND, enfin que du réinscriptible. Ou un lecteur. Ah non, le lecteur de carte SD, c'est vrai que c'est un avantage pour ça. Enfin, je pense que de toute façon, le lecteur de carte SD, il doit être utilisé pour flasher une NAND et la console doit lire la NAND. Elle ne doit pas lire la carte SD en direct, la console. Quasiment sûr. Enfin, en tout cas, il faudrait voir, mais franchement, si on peut faire des cartouches à 40 ou 30 euros, ça se réfléchit. Hein. Ça pourrait être vraiment stylé, je trouve. Enfin, je sais pas. C'est un peu plus compliqué. Ah, d'accord. Je veux dire que j'y connais rien, c'est ça. Tu as raison. Tu as raison. Il n'y a pas de honte. Par contre, je crois que j'ai pris un gros cheat code. Je crois que là, j'ai vraiment limite triché. Oh merde. Tout seul. Bon bah j'ai quand même bien profité quand même. Oh Zub, laisse-moi tranquille toi. C'est quoi qu'il y a de l'autre côté là? J'ai pas compris le symbole sur l'item. Ah c'est les snails. Les escargots. Les escargots. L'eau. Ça permet pas de sauter plus haut ça? De sauter plus haut. Beaucoup. J'ai des PTSD de tout à l'heure. Pas vous. Ah non! Oh, le bonus qui s'arrête au mauvais moment. Et on peut pas sauter là. Ah, pas trop perdu. Pour forquer un projet de linker pour le simplifier et lancer un seul jeu, ça demande des compétences spécifiques. Et j'ai jamais réussi à trouver quelqu'un pour la SNES. Et comment tu fais pour la SNES alors? Ben non, tu peux pas le dire. Parce que tu balancerais tous tes secrets. Enfin, je peux comprendre que tu le dises pas. Même si je pense pas que t'aies des recettes miracles plus que ça. Mais... Je pense qu'au bout d'un moment, tu plafonnes sur ce que tu sais et tu arrives à le faire au mieux, et puis voilà. C'est gore ça, un peu. Aïe!
Alors, je vais au moins arriver au bout du niveau. J'ai l'impression que je me débrouille mieux que la dernière fois quand même, parce que j'ai mis beaucoup de temps à arriver au niveau au niveau où j'ai arrêté la dernière fois. Il y a des additionnels. Le sujet c'est sur le jeu Super FX S1 et SDD1. SDD1, je ne me souviens pas de ce que c'est. Super FX, Super FX2 et S1, je sais ce que c'est. Ok. Je sais pas, ça me paraissait marrant qu'on puisse faire des cartouches Saturn en fait. J'ai vu que sur le Mister, il y a quelqu'un qui a fait des cartes aussi. Enfin, pour reparler de ça, c'est toujours intéressant de voir ce que font les gens. Mais il y a quelqu'un qui a fait un système de cartes NFC sur Mister FPGA. Du coup, des sortes de cartouches, cartridges. Alors, c'est pas cartridge slot. NFC. Voilà, c'est le tap tout sur le Mister. En gros, tu mets un full set sur ton Mister. Et le mec a fait des cartes avec des jeux dessus. Et avec juste un lecteur NFC relié à son Mister, il fait ça, et ça lance le jeu qu'il veut. Je trouve ça trop cool. Du coup, il fait des super belles cartes. Je trouve ça marrant. Et du coup, il explique tout son process de création. Par exemple, Contra, voilà, sur NES. Pour faire une borne, par exemple, c'est super intéressant de faire une borne de démo du Mister. T'arrives avec ta carte et paf, tu joues au jeu que tu veux. Ouais, le tap-tout, ça s'appelle exactement. Hyper fun, non, ouais, c'est hyper fun. Surtout que le Mister, c'est un stand de chez un stand, quoi. C'est-à-dire que quand tu lances un jeu, ça va limite... Il a même mis le Konami code en tap-tout, c'est marrant. Après, c'est comme un enfant qui découvre un truc et qui en met partout. Mais je trouve ça marrant. Donc ça c'est vraiment une bonne idée, je pense, faire ce genre de truc là. C'est très gadget, c'est 100% gadget. Mais c'est tout à fait le genre de truc gadget sur lequel je crachais il y a encore quelques années et qui aujourd'hui je trouve ça marrant. En fait, je trouve les trucs amusants mais avec du retard. En fait, je comprends l'intérêt de ce que les gens montraient à une certaine époque. Mais j'arrive à avoir de l'intérêt pour ça que maintenant. Et par contre, c'est vrai que les ports cartouches sur le Mister FPGA, ça manque. J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment envie que quelqu'un en fasse. Mais abordable, bien fait. Enfin, abordable, ça va encore, mais bien fait. Enfin, un bon port de cartouche Mega Drive, là. Pour mettre mes vrais jeux Mega Drive. Et les jouer sur le Mister. Ça, c'est vraiment ce qui manque, je pense. En fait, ils ont un peu oublié de vérifier les niveaux, je crois. On va utiliser les failles de level design qu'ils ont fait. Pas décoller non plus. Ça, c'est le truc pour sauter plus haut. Sauter plus haut. Attention. Parti. On saute vraiment où? Ouh! Et là, c'est fini. L'effet s'est terminé, pile poil au mauvais moment. Ah, peut-être qu'en faisant un tout droit, j'aurais réussi. Peut-être. Je me démerde bien, je trouve. La maniabilité est très particulière. Et on peut pas les tuer, les ennemis. Ça, c'est des malus. Ça, c'est des malus. Il y a que des malus. Vous avez le magasin pour acheter des trucs. Des malus. Bon. Si quelqu'un a des idées, tiens, je prends. J'ai fait un système de prums, comme vous le voyez sur la télé console là-haut, la télé avec la Saturn. Il y a marqué prums, c'est pas ce qu'il a. Je peux détecter les prums. Qu'est-ce que je pourrais donner comme avantage à un prums sur un stream? Imaginons que vous êtes sur un stream. Vous adorez le streamer. Prenez un autre exemple que moi si vous n'y arrivez pas. Hein. Mais du coup, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire? Peut-être avoir toutes les récompenses gratuites, mais je crois pas que je puisse faire ça. Je crois pas que je puisse vous octroyer des récompenses différentes si vous êtes genre prums. Mais vraiment, si vous avez des idées pour ça, très preneur.
Je sais pas. Ah bah oui. Ouais, ouais. Ah, j'aurais bien aimé que ça s'envole tout seul quand même, ça. Ah, ça permet de sauter un peu plus haut. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Je pensais aller où? Je sais pas où je suis censé aller. Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Par crever, je comprends pas. Je suis pas sûr de savoir ce que le jeu voulait de moi là. Je recommence tout? Attends, c'est le début du jeu ça? Ça me fait tout recommencer là? Ouais, d'accord. Ah, je pensais que je recommencerais pas au tout début. Salut Seima! Comment tu vas? Ninkai! Comment vas-tu? Est-ce que tu vas chaudement ou pas? Tu remarqueras que la caméra est toujours allumée. Mais c'est vrai que j'ai la fenêtre ouverte. Mais tout va bien, Montpellier, il fait pas trop chaud. J'espère que tu es content de l'apprendre. Merde. J'y arriverai jamais, quoi. J'arrive plus à faire un son simple. Mais ça déclenche pas le truc. Bon, ok. Fatigué et un peu chaud. D'accord, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est tout le reste de la France qui a chaud maintenant et que Montpellier a plus chaud. Enfin, pour le week-end en tout cas. Apparemment, ça durera ce week-end, c'est tout. Écoute, moi ça va super, je joue à Ninpen Manmaru, qui est un de mes jeux Saturn préférés. Je sais que c'est un jeu qui n'attire pas les foules, mais je voulais y jouer. Donc ça c'est assez chaud, hein. Je sais pas ce qu'il faut faire ici. À moins que je puisse... Attends. Presque. Je comprends pas. Il bloque littéralement les joueurs. C'est incroyable. J'arrive pas à croire qu'il puisse bloquer les joueurs ici. Ah si, attends, il y a une plateforme, j'avais pas vu. Ah, il y a une plateforme ici. On la fait pas à Haruno Taku. Enfin si, on lui a fait. La plateforme elle arrive une fois toutes les demi-heures, ça. Il y a plus de 3 gouttes, c'est couvert, il fait lourd. Ah ça c'est les pires climats ça. C'est ce qui fait à Montpellier en ce moment, mais du coup ça change un peu des 38 degrés à l'ombre. 38 j'exagère. C'est 34. Plutôt 34. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse. Ils veulent que j'aille chercher des trucs là-bas. J'ai l'impression qu'il y a des trucs cachés ici. Il y a un cœur. Oh, c'est trop loin. Oh. Je suis pas sûr de savoir ce qu'il faut faire. Ensuite, ça m'étonnerait pas. Chez moi le week-end dernier, 35 plus. Non, c'était 34 les grosses chaleurs jusqu'ici. 38, je crois que c'était la grosse canicule il y a 2 ans. 38 à Montpellier, c'était vraiment, vraiment pas loin du pire. Je crois qu'à l'intérieur de mon appart, l'ancien appart, il avait fait 42 une fois. Parce que j'avais un thermomètre pour le coup, j'avais un thermostat dans l'appart d'avant. Je comprends pas ce qu'il faut faire. C'est trop loin. C'est pas trop loin? Ça me paraît beaucoup trop loin. Putain, c'est pile poil. J'aime pas trop quand c'est pile poil dans les jeux vidéo.
J'aime pas trop les menteurs. Déjà. Et les... J'ai voulu gagner du temps, j'en ai perdu. J'ai même perdu de l'énergie. Il est bien. Après, la mer est pas loin à Montpellier, il y a un brin d'air. Il y a du vent, ouais. Enfin, du sèche-cheveux, quoi. Du sèche-cheveux qui te donne l'impression qu'il y a du vent, mais que quand t'ouvres, tu es comme, comme Bob l'éponge quand il va chez Sandy, quoi. C'est des belles comparaisons bien imagées. Je suis très fier de moi. Je pense que je me suis déjà premier degré retrouvé comme Bob l'éponge chez Sandy dans mon appart. Monter à 31 degrés en Haute-Corse, oh là là, c'est même plus agréable de se baigner dans 31 degrés. Quoi. Enfin, agréable. Je sais pas si ça dépend ce qu'on cherche, peut-être. Je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui se retrouvent bien dans une mer à 31 degrés. J'avoue, ça serait pas forcément mon kiff à moi. It's now known as Say Météo. C'est rigolo. Le Seigneur Météo, oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Oui, d'accord. Yeah. C'est le remplacement définitif. Le petit bruit de bouton, il est très satisfaisant. Par contre. On repasse ici. Et si on tombe, évidemment, la punition n'en est que... Oh non. J'ai oublié. J'avais oublié cette phase. C'est marrant comme on oublie facilement les mauvais coins dans les jeux qu'on aime. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah non, commence pas, hein, Frank Bull. Hein. Commence pas. Hein. Faudra que je rattrape le live Zombio à l'occasion. C'était rigolo, Zombio. Hein. Bob l'éponge, il défonce Winnie Ourson. Erax ? Ça va ? Est-ce que j'aimerais avoir des safe states, là ? Là, c'est vraiment le moment où j'aimerais avoir des safe states. Ils ont calibré à la longueur du son. À peu près. Faut pas faire de pas de côté, hein, si c'est votre question. Et qu'on ne peut pas, bien sûr. Dès que si c'est un bonus, je pète un câble. Parce que moi, je veux juste aller à la suite du jeu, là. Je suis pas sûr que ça soit la suite du jeu par là. Hein. Parce que là, je vais où? Tu es allé là pour là? Pour rien, ça? C'est ça que tu essaies de me dire, jeu? Ah si, d'accord, ils ont mis la fin. C'est pas con. Ok, je viens de comprendre. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Déjà, Bob l'éponge, il cache ses fesses. Ah oui, parce que les fesses d'une éponge, c'est toujours en bas. Quand tu la poses. Rex, tu dis du mal de Winnie l'ourson, là. C'est pas bien, tu sais, ce que tu fais. L'éponge, il fait plein de métiers. C'est vrai. Oh, j'ai froid. Oh, j'ai dit ça déjà. Bon, alors. On va commencer. Quel genre de concours c'est cette fois-ci? C'est comme le maître nous a enseigné, je te cours après, alors tu dois me fuir. Sans regarder son écran, ah oui, c'est vrai que oui. Et il faut que tu m'empêches de t'attraper dans la limite de temps, c'est ça. Alors tout ce que je dois faire, c'est ne pas me faire attraper, c'est ça.
Je ne suis pas très bon à courir, mais je vais essayer de mon mieux. Alors, c'est parti. Oui, ça aurait été marrant, effectivement, ça aurait été très marrant pour quelqu'un qui vient d'arriver de se dire, putain, mais le mec, il regarde même pas l'écran, il est trop fort. Cette musique, elle fait tellement Sega. Cette musique, elle fait arcade Sega des années 90. De ouf. Pipon. Ah, je pensais vraiment que c'était bon. Encore plus vite que lui en ligne droite, sauf quand il saute peut-être. Est-ce que je peux sauter là? Il me reste encore 1 minute de course. Que ça s'additionne. Il est beau ce jeu. Ta mère la pute! Mais en fait il me fait perdre de la vie, c'est trop facile. J'ai tout ça de vie encore, c'est bon. Il est pas prêt de m'avoir en fait. Et sinon c'était quoi l'exclu mondial? Ah c'était Crash Bandicoot sur Saturne. Et ben, je peux le redémarrer tout à l'heure à la fin du live. Frank Bull ici présent est l'auteur de portage de jeux PlayStation sur Saturn, notamment FF7, Metal Gear Solid ou Crash Bandicoot. Il met ses vidéos sur YouTube, je pense que je le sais déjà peut-être. Merci Sayara. Pourquoi t'aimes pas Crash Bandicoot ou... Et il m'a prêté très aimablement un ISO de son travail pour le diffuser du coup. À ne pas vomir ma pizza. Voilà, le portage est très propre. Tu n'aimes pas Crash Bandicoot, d'accord. Parce que ça aurait pu être mal interprété, effectivement. Ça aurait pu être interprété comme quelque chose de pas très gentil. Et hop, j'ai gagné. Trop facile ce boss-là. Bon, bah, est-ce que c'est pas la première fois qu'on va voir un nouveau truc? Parce que je suis pas sûr d'avoir battu ce boss la dernière fois qu'on a joué. Parce que je suis en train de pas reconnaître le boss. Enfin, il me semble qu'après, il y a un niveau dans l'eau. Avec de l'eau et de la glace et toutes les merdes que j'aime pas, là. Mais avec des jolis décors. Ou alors, c'est un autre jeu. Galloping Grotto. Oui, je suis. Disons, c'est très très cool. Ouais, bah, il est très très fort, le monsieur. De porter des mauvais jeux. Alors, justement, n'hésite pas à lui proposer d'autres jeux. Merci à tous, bien sûr, pour vos GG d'avoir réussi à battre le boss et avoir passé toutes ces phases de plateforme qui étaient très compliquées. Merci beaucoup. Yura Yura Tsuribashi no Maki. Ah, merci. Tu dois manger des pizzas ananas pour avoir aussi mauvais goût. Ça y est, ça va se friter, quoi. Pant, pant. Salut, Tsunejiro. Tu serais pas épuisé? Non, c'est rien, t'inquiète. Alors le prochain concours c'est toi. La prochaine épreuve c'est toi. Bien. C'est le bon esprit. Mais l'épreuve n'est pas ici. Yamanote, je t'attends en haut de la montagne. Escalade là et viens vite. À toutes. Il tente le modo. J'ai pour avoir réussi le boss et ses plateformes qui, bon, j'ai pas tout retenu. Super, Erax! Vous remarquerez que les musiques sont différentes. Non, par contre, quand tu dis... Moi, j'aime bien les pizzas ananas. Je suis désolé. Vraiment désolé. Mais du coup, qu'est-ce que j'aimerais voir un VF2 porté sur Saturne? Un VF2 porté sur PlayStation, pardon. C'est pas Nils. Baptiste. Non. Parce que Nils, je l'ai pas fait. Super pour l'appareil photo, je l'ai pas fait. Et c'est vrai que ce soir, c'est super pour l'appareil photo, puisqu'on arrive à un point où il est toujours pas planté.
la chaleur est pas là en même temps, c'est peut-être pour ça. Il y a moins de chaleur que d'habitude. Enfin, je le fasse, c'est pas grave. Ah, mais vous vous souvenez de cette affaire-là? Le son en longueur, comment on fait? Je sais plus comment on fait le son en longueur. On peut faire un son en longueur dans le jeu. C'est plutôt comment on fait pas. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie! Bah tiens. Je sais pas. Mais... l'appareil photo qui s'appelle Nils? Non, c'est Nils qui casse l'appareil photo. Enfin, qui fait du ski et qui fonce un peu sur l'appareil photo, quoi. Le son en longueur qui t'a fait criser la dernière fois que t'as lancé le jeu, c'est exactement ça. Donc je suis bien arrivé là, la dernière fois. J'ai donc passé toutes les plateformes de tout à l'heure. J'étais persuadé d'être... J'étais persuadé que c'est la première fois que j'arrivais à ce niveau-là. Mais oui, il y a un super beau niveau juste derrière ce mur, en plus. Ce mur qui bloque un super niveau et cette capacité qui n'est que dans le mode d'emploi où il faut regarder sinon des comment on fait alors du coup parce que je sais pas Alors du coup, faut que j'aille chercher sur l'internet mondial. Est-ce qu'il y a la notice? Pam, 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 pam. Il y a la notice. Pourquoi il a dit Yamanote tout à l'heure? Yamanote, ça veut dire quoi? Il a dit « Je te retrouverai en haut de la montagne ». La Yamanote Line, c'est pas la ligne de la montagne, que je sache. Est-ce qu'il y a la spin card? Non, mais la spin card, c'est pas... Mais ça n'intéresse vraiment personne, la spin card. Je pense qu'il y a vraiment très peu de gens que ça intéresse vraiment. Ah, l'information qu'on désire est sans doute quelque part ici. On va aller sur mon site préféré, car il est russe. Ouais, je sais, je sais. Je sais ce que vous allez dire. Vous allez vous dire, oui, Arino Taku, il est borderline... Ne l'utilisez pas. Bouton X, ne l'utilisez pas. Tournez vers Jung. Tournez-vous face à face. Vous pouvez l'utiliser quand vous voulez l'utiliser. C'est du bon aussi, ça. Appuyez sur le bouton de direction et vous pouvez marcher. Ouais, ça, c'est pour forcer le pingouin à marcher. Du coup, c'est pas dans cette page-là. Hein. Non, pas le bouton X. Non, le bouton X, on l'utilise pas. Interdit. Personne, personne. La main de la montagne. Yama noté. Yama, c'est montagne. Et noté, ce serait la main, du coup. C'est fou, quand même. Pourquoi ça s'appelle la main de la montagne? Donc, voilà ce qu'il va se passer. En 2X, one more. Once more with feeling. Oui, toujours. Non, pas sur le bouton X. Elle a toujours beaucoup de retenue, la 32X. Comme ça que je l'ai éduquée, je lui ai dit « Ne laisse pas envahir par tes émotions, pas comme ton maître. » Parce que moi, j'ai des problèmes. Max. Oh, ça, oui. C'est pas une histoire de triple saut? Triple buse. Triple buse. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est triple saut, en fait. Pas un saut en longueur, c'est un triple saut. Et...
plus, il faut le faire au millimètre de poil de cul près, quoi. Super, les gars. On aurait pu mettre le saut en longueur sur X, mais non. Ah, ça aurait été bien, hein. Genre, le troisième saut, là, du saut en longueur. Ah, ça aurait été bien. Si seulement tu étais game designer. Ah, oh, je me suis pris le mur. Oh, ça aurait été parfait s'il avait marché, le troisième saut. J'aime bien ma 32X, elle est toujours très, très joviale et joyeuse. Si vous saviez l'effet que ça me fait, je pense que vous avez une petite idée, hein, mais... Pas de texte. Ah, mais y'a pas un lapin, genre Steve... Oui, c'est ça, c'est Steve Jumping Flash, le lapin. Ça m'a rappelé encore plus Jumping Flash de le voir. Je me souviens. Je commence à me souvenir des jeux que je fais, ça. Non, Nash. Here. Ouais, here. Yeah, here. C'est joli quand même. Hein. Vous vous rendez compte qu'on est sur Saturn là? On est sur la console qui sait pas faire de 3D d'après le JDG. Ah là là, JDG, hein, toujours la référence technique. N'oubliez pas. Surtout pas que je saute. Non, je ne peux plus sauter après. Oula oula oula. Je vais te calmer. Oula oula oula! Ah oui, Gambarezo, il dit. Effectivement, il dit pas Gambaretto, il dit Gambarezo. Et ça veut dire quoi, zo, alors, après Gambare? Maintenant, Mokona, que j'ai enfin recollé les morceaux. Donc, j'ai enfin compris ton message. Tout à l'heure, je comprenais pas pourquoi tu disais Gambarezo. Alors, j'étais persuadé qu'il avait dit Gambaretto. Ta mère. On est obligé vraiment de maintenir avant, puis faire 3 sauts, quoi. C'est assez difficile pour le timing, en fait. Veillez de ne pas avoir mis un checkpoint. C'est vrai, ça rappelle des souvenirs, un peu. Moi, je connais des gens qui mettent pas de checkpoint. La rêve. Faut pas faire ça, sinon ça fait ça. C'est ça, la rêve? Je vois pas... Vous avez dit plein de mots très normaux, et à la fin, tu t'as mis « j'ai la rêve ». Mais du coup, j'ai dit « bah oui, ok, mais... » We stretch you on for 3 miles. Qu'est-ce que c'est? C'est Safe for Work? Ah, le visiteur du futur en plus. Un truc que j'ai jamais suivi. C'est un épisode entier? Ça va être compliqué, hein. Mais est-ce que c'est long? Ou parce que du coup, si t'as directement le lien de la rêve, c'est mieux. 2 minutes, c'est long. T'as envie de pisser, toi? C'est qu'une canette. Seulement voilà! La présence de cette canette va entraîner d'autres gens à vouloir lancer leur canette. Ah, c'est le visiteur du futur, la ref. Sinon, voilà ce qui va se passer. Mais je l'avais, du coup, la ref. Je connais cette phrase du visiteur du futur. Oui, mais c'est connu, ça. Quasi tout de suite. Ça va passer déjà. Non, mais je vois, oui, c'est genre... ne faites pas ça! Sinon, voilà ce qui va se passer. C'est quoi, une gâche la durée de vie des jeux? On devrait les enlever. Bah c'est pareil pour les crédits infinis. Non ! Surtout, ne lance pas cette canette. Mais pourquoi ? Parce que si tu la lances, voilà ce qui va se passer. Tu vas rater la poubelle de quelques centimètres, et la canette va tomber au sol. Ensuite, ton ami va annoncer qu'il a une grosse envie d'aller aux toilettes, ce qui va vous pousser à rentrer chez vous sans que vous ne ramassiez la canette restée au sol. Voilà. C'est très drôle, les visiteurs du futur. Le visiteur. Une compile de... Sinon, voilà ce qui va se passer. Elle dure 40 minutes. Je crois que j'avais arrêté le jeu. Déjà parce qu'il devait être genre 1h du matin. Et j'avais arrêté le jeu parce que je crois que le triple saut, il faut le faire à des endroits où c'est indigne. C'est de l'indignité niveau ex-président de la République. Ex-ministre de l'Intérieur. La grosse indignité, quoi.
La musique est super cool là. Non, j'attire votre attention sur les points forts du jeu parce que je sais que vous avez tendance à JDGiser mes jeux, mais. Qu'est-ce que j'ai vu comme connerie tout à l'heure dans un stream encore ? Quelqu'un qui a dit une énormitude. Merde ! Quelqu'un a dit une énormitude sur un stream. Ça m'a mis hors de moi. Ah mais ça pousse en plus. Il y a un petit signal sonore. Il y a vraiment un temps. Ex-lecteur du temps des tempêtes sur Audible. Ah, je sais pas de qui on parle là, du coup. Celui qui met la poussière sous le tapis et qui nettoie au Karcher ensuite. Est-ce qu'on parle du même? Je suis pas sûr. Celui qui est, dont la femme remercie pour ce moment. Qui nettoie au Karcher. Ah ouais, je vois de qui on parle. Il a envie que ça soit propre. Et c'est plutôt sympa de sa part. Très sympa de sa part. J'ai appris de mes erreurs. J'ai fait Régis Robert sans le faire exprès. Mais bon, on peut pas y aller alors. Après, tu fais quoi maintenant? Ah, il y a un truc qui a popé. Je passe là? Vous croyez que je passe là? Pile poil. Pile comme le vent, pile poil. Et là, je passe pas. Oh, c'est ça. Je fiche de ma gueule, hein. J'aurais pas dû sauter là en fait, c'est ça. Faut que je passe là. Si vous faites un effort, je peux passer, je pense. Faites à. En fait, je sais pas comment on fait. Il faut que j'aille là-haut. Bon, retour à la case départ, hein, désolé, j'ai fait tout ça pour rien. Vraiment pas ? Ah si, on peut en fait. C'est juste que j'avais pas la foi, quoi. Le chemin de la foi. J'ai le chemin des fois.
foire les fois. J'appuie sur A pour sauter depuis tout à l'heure parce que je suis un énorme connard. Putain, on peut pas l'atteindre. Le petit lapin, il est mignon, ouais. Le petit lapin, il m'avait rappelé Jumping Flash. Quoi. Mais y'a pas Monsieur Crocodile? Monsieur Crocodile. Schnappy? Hip schnapp. Ah oui, Dagobert. Dagobert. Monsieur Crocodile, je m'en souviens pas. Et plouf comme Babou. Ouais, mais moi j'ai pas de air control dans mon jeu. Je dis pas que Babou avait du air control dans le jeu où il est tombé dans l'eau. Moi j'en ai pas là. Il y a des moments où le jeu il dit air control, puis il y a d'autres moments où dans le jeu il dit non, pas de air control. Je pense que c'est surtout les moments où tu tombes en avant et que tu essaies d'aller en arrière. En fait, le air control se décide environ quand tu sautes. Il veut me croquer la kick. La kick. Je me souviens pas de tout le lore. Hein. Je me rends compte que je me souviens pas de tout. Est-ce que c'est un mal? Je ne sais pas. Alors en fait, faut aller là. Pourquoi je me casse le cul depuis tout à l'heure? Je suis con ou je suis débile? Moi, puceau. Ah bah si, je suis obligé d'aller là-bas quand même, en fait. Je suis quand même obligé de me taper cette plateforme relou. C'est trop loin, sinon. La kick. La kick. Bon, avec la musique est bien, quoi. Avec le petit accompagnement bon tant pis, style Dance Attitude, là. Ça sert à quoi d'aller là, du coup? J'arrive pas à comprendre, en fait. Ah, il bouge! Oh, mais il bouge! Mais attends. Il bouge plus, là, du coup. Moi, il me semble bien trop loin. Mais il y a cette plateforme-là qui a bougé aussi. J'ai quand même l'impression qu'il faut faire des doubles sauts. C'est pas possible. Vous vous rendez compte que si c'est ça qu'il faut faire... c'est Rage Kit, hein. Et je me demande si Rage Kit c'était passé la dernière fois, en fait. En train de me poser la question de... Est-ce que c'est pas quand j'ai réalisé qu'il fallait faire des doubles sauts sur des plateformes qui font 1 cm que j'avais pas complètement arrêté, quoi. C'est éreintant. Moi, je pensais que les jeux vidéo, c'était un loisir pour se détendre. Pas vous. Qu'est-ce que j'aimerais que les gens jouent plus à ça sur Saturne et qu'ils arrêtent de dire que la Saturne, ça va pas faire 3D. Qu'est-ce que j'aimerais, putain. Que les gens arrêtent de dire de la merde. Ou que les gens, parmi les viewers qui, heureusement, ne viennent plus trop souvent, arrivent à dire que c'était pas de la vraie 3D, la Saturne. Putain, mais alors ça aussi. Faut vraiment décrotter les gens. Hein. Faut vraiment passer le Karcher post-JDG. Poste, je sais pas qui d'ailleurs, je sais pas qui dit des conneries pareilles pour dire que la Saturne fait pas de vrai 3D. Comment j'étais monté là, moi? En fait, je peux monter depuis le début, c'est ça, hein. C'est juste que je m'y prends mal. Ça sert à rien ce que je fais, je suis en train de faire des allers-retours pour rien. Ah, c'est ça en fait, hein. Faut juste y croire et puis on y arrive. Comme trouver du boulot, quoi. J'ai l'impression que j'appuie pas assez longtemps sur mon bouton de jump. J'ai quand même l'impression qu'on est obligé de réussir ce saut là pour avancer. En mode. En mode one again et beast to play, quoi. En fait, faut faire un triple saut, mais vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte du traumatisme que vous donnez aux gens quand vous faites ça? Faut faire double saut, commencer, triple saut, cuisine, puis salle à manger, et enfin salon, séjour. Et après, c'est bon. Tu peux dégager, s'il te plaît.
casser les couilles jusqu'au bout de la terre parce que t'as un putain de territoire infini sur la map. C'est pour ça que les level designers ils font des territoires aux ennemis, c'est pour pas que ce genre de cas arrive. Et laisser les phases de plateforme tranquilles. Des fois il y a des erreurs un peu grossières. J'ai de la vie. Parce qu'on continue à y croire. Comment ça a bien joué ça? Ta mère! Lapin de merde! Ah merde, c'est parce que. J'ai fait un truc de BG cosmique, mais c'est pas ça qu'il fallait faire. En fait, ça m'aurait fait chier de devoir le faire, et j'ai réussi à le faire du first try, quoi. C'est terrible. Pas facile la vie, hein. Moi je vous le dis. Hein. Mais sérieux? Je jure que ce jeu, il n'aura pas ma peau. J'aurai sa peau avant lui. En même temps, je commence à comprendre, là ça marche. Bam, 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 bam. C'est dans quel jeu, Babou, qu'il a fait une babouloufrie en mode chute, comme ça? C'est terrible. J'ai le pouce qui est en train de crever, littéralement. J'ai mon pouce qui a mal. Je me souviens pas dans quel jeu il est tombé dans l'eau. Pourtant, j'arrive pas à aller à tous ces streams. La kick! Il n'y a rien après. Ah babou pouf. Juste le mot babou pouf. En fait, je suis allé là pour rien, vous avez vu. Est-ce que je m'amuse dans ce jeu. Je sais pas où il faut que j'aille du coup. Faut que je fasse 1, 2, 3. Il me reste 3 minutes. Rien de compliqué. Aya. Non, non, je cherchais une ref à un stream d'avant, moi. Non mais c'est trop haut en fait. Et là je suis obligé de faire un babou plouf en fait. Si tu rates cette plateforme là, tu fais un babou. Alors peut-être que en montant sur le... Voilà, ça va aller plus vite maintenant. Je viens de me rendre compte que le level designer, il avait mis un truc spécial en pièce pour m'aider à faire le triple saut là. C'est terrible en vrai. Là, c'est terrible. C'est assez terrible de pas comprendre les cues du level designer, hein, quand même. Je me fais une spécialité de ne pas comprendre ce que le jeu attend de moi à chaque fois que je joue à un jeu vidéo. C'est un truc de dingue. Là, le 1, 2, 3, il était caviar. Il était dessiné sur le niveau. J'ai vraiment été mauvais. Pressé, il faut que j'arrête d'être pressé. C'est short. Shortcomings. Il gagne une vie, non? J'avais 100 pièces. Shortcomings. Voilà. Il est facile de trouver des titres. Après, ils ont mis plein de petits panneaux. Hein. Je sens que c'est quand même pavé de bonnes intentions, qu'ils ont vraiment voulu faire des trucs cool. Hein. J'ai hâte d'être pressé. Ah ouais. Là, j'ai vraiment frôlé la mort. Hein. Ce que je fais, c'est pas très malin. Là aussi.
que les gens viennent me dire que je suis pas patient après ça quand même. Vous voyez, quand le jeu m'intéresse, je suis patient. En parlant de jeu d'ailleurs, vous êtes peu nombreux, mais vous allez peut-être pouvoir choisir le jeu de demain, puisque je ne suis toujours pas sûr de faire Wind Waker HD. J'avais dit Wind Waker HD pour le samedi mainstream. Et je suis en train de me tâter à peut-être faire Doom sur Xbox avec le Game Pass. Vous savez, la nouvelle édition de Doom par Night Dive, ce studio. J'avoue que Wind Waker HD, ça sera peut-être plus rigolo. Le Doom, on l'a déjà fait plein de fois, mais je sais pas trop. Bam, 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 bam. En mainstream, facile Rayman. Ah oui, on n'a pas la même définition de facile du coup. Dit et Retri. Le mode de Rayman le plus facile. Après, Rayman, ça dépend sur quoi. Hein. On peut faire Rayman sur Jaguar. Je l'ai pas. Non, en fait, on peut pas le faire du coup. On peut le faire sur Saturn ou sur Play ou sur. Ah, sur 3DO, je l'ai jamais fait. Rayman sur 3DO. Mais il n'existe pas sur 3DO. Il n'existe pas sur 3DO, Rayman. Vraiment? Vraiment? Cet ennemi pouvait arrêter de s'intéresser à moi 5 secondes, quoi. Ah là là, le bouton de saut, il marche pas très bien. Hein. Quand j'appuie dessus. Hein. Je sais que ma manette déconne pas, mais le jeu, j'ai l'impression que pour les inputs, il est un peu de... Mal. Bon, on va essayer de faire ça. Hein. Ah, voir comment ils veulent que j'y aille, quoi. C'est trop loin, ça. Là, il y a un bonus pour sauter plus haut, ici. Mais il est loin, loin, loin de ouf, parce que... Je peux pas y aller. Ou alors je fais un triple saut. Mais les triples sauts, ça me permet pas d'aller plus haut, hein, je crois. Pas d'aller plus loin. Ça me permet juste d'aller plus loin. Oui, j'ai une Jaguar, j'ai une Jaguar. J'ai une Jaguar avec Iron Soldier, Doom, Wolfenstein, Dragon, Ten Park, Babsy, surtout Alien vs Predator, et Tempest 2000. AVP, ouais. AVP que j'ai acheté au Japon sur Bay, c'est pas une blague. Ça peut sonner comme une mauvaise blague. J'ai acheté au Japon. Parce que ça sert à rien du tout, parce qu'il il n'existe qu'une seule version d'AVP, c'est la version américaine. Pas de version. Tempest 2000, il est bien. Tempest 2000, il est rigolo. Peut-être le seul jeu qui vaut vraiment cher en plus, hein, sur la machine. Et j'ai un CD de démo de Myst. Malheureusement, j'ai pas Jaguar CD, mais j'ai ça. On va tenter de dev sur Jag pour le défi. Enfin, ça doit être chaud. Hein. C'est Tom et Jerry, le truc... Tom et Jerry, et puis t'as un bus géré par un 68000. Un petit 68000. Qui équivaut à de la Mega Drive Plus, quoi. De ce que j'ai compris. Tu peux pas développer sur CDI. C'est rigolo, ça. Tadam. Il me manque un truc. Je sais pas ce qu'il faut faire à ce niveau. Je vais regarder YouTube. Parce que je sais que quelqu'un l'a fini Xi Jinping Banmaru. C'est les démos Myst, ouais. C'est le bon Ophilippos qui me l'a offert. Parce que en fait, les CD de démos de Myst étaient assez courants à l'époque. Sur Emu, c'est tellement plus sharp l'image.
Il est bien émulé en plus. Il va là. Non, mais dis pas qu'il va réussir à aller là-haut. Il va faire un double saut. Il a pas actionné le bouton. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais il joue normalement au jeu, c'est vrai. Ah non, attends. 1, 2, 3. Si, triple saut, ça te fait aller plus haut. Bon, bah, c'est un triple saut qu'il faut faire. Ok. Bon. Alors, on repart. Et il faut faire une courbe parfaite, quoi, du coup. Enfin, une courbe qui va bien dans le triple saut, quoi. 1, 2. Ça. Ok. Bah, pas très dur le jeu, hein. Un peu déçu par la difficulté du jeu, parce que moi je roule un peu dessus là. Il a pas l'air très long le jeu, ouais. First try. GG easy first try. Faut marquer. Ah, la musique. C'est pas la même. Merci pour le GG. Oh non, 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 non! J'ai mis continue et où est-ce que c'est je... moi, c'est la mort. Attends, je commence. Faut que je refasse le niveau, je suis sûr. Faut que je refasse le premier niveau. What? Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Moi, ou le jeu, il lance pas les bonnes séquences. Il a dit Tempula. Je sais pas si vous savez ce que c'est que la Tempula. Mais en tout cas, il a dit Tempula. Oh, je l'ai défoncé. 26-13. Le... Oui, j'ai amélioré mon PB. Mais doublement, parce que je viens de faire un combat que je pensais pas faire. Et il me remet là. Je me demande si c'est pas en mode si tu réussis le challenge après un continu, il te remet où t'étais. Ou pas. Pas sûr de comprendre. Ah, mais c'est vrai, quand j'y pense, Saïma, les gens qui arrivent sur le stream alors que je suis en train de regarder mon CRT, ça fait de moi quand même le BG originel, quoi. Enfin, le mec, il regarde pas l'écran, il s'en sort mieux. Peut-être réussir le challenge, ouais. Pas comme ça, là. La 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 la. La. La la la. Je suis jamais arrivé là, hein, avant. J'ai juste pas réussi à finir le niveau que je viens de finir, là. La dernière fois. What? Une plateforme méchante? Ah, c'est pas cool. Pas cool, les gens, les trucs méchants, c'est pas cool. Hein. Arrêtez les trucs méchants. Ah merde, je joue tellement mal. En même temps, c'est ma dernière vie. Je pense qu'après, on va se laisser, hein. un peu tautifement, mais bon. Qui stream ce soir? Je vais regarder les programmes des uns et des autres. Je me doutais que Ninpen Man Malou. Je me tais que là. Oh, c'est une plateforme qui fait mal même quand on monte dessus. Ah, c'est terrible en vrai. C'est très rare de faire ça dans le jeu vidéo, vous savez. Ouais, d'accord. Il fallait faire un double saut. Ok. C'est là où le jeu commence à devenir insupportable avec les doubles sauts, je pense aussi. On va se laisser sur cette musique là et on va chercher un raid. Parce que je suis fatigué. Et du coup, demain, je sais pas si je fais Doom ou si je fais Twilight Princess HD. Je veux que Twilight Princess HD, c'est quand même plus rigolo, parce que ça fait ressortir la Wii U. C'est un peu plus mainstream, mais ça reste rigolo. Quoi. Ça reste ludique pour moi. Et voilà, quoi. Est-ce que je voulais faire chercher des raids. Qui c'est qui stream? Nous avons... le chiffre est Zenless Zone 0. Qu'est-ce que c'est? C'est encore un jeu où il y a une clé gratos. Ah non. Ça a l'air pas mal. Je pense pas une pièce à conviction. Ça a l'air pas mal.
C'est marrant ce jeu. Zenless Zone Zero. C'est pas le... C'est un free-to-play, le dernier Miyoho. Il avait l'air super beau, je crois que je l'ai installé au travail. Mais je peux pas y jouer parce que j'ai un lag infini sur mes prises HDMI au boulot. On a du HDMI sans fil. Pour faciliter l'installation des prises console. Je m'entraîne pour le japonais, c'est pour ça que je répète. Hein, bien sûr. Bah écoutez, est-ce que je vous envoie chez Floyo ou est-ce que je vous envoie chez Hiroshi Saeba? Ça fait longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez quoi? Arrête, il y a 120 jours. Ou alors je vous envoie chez Kalios. Vous envoyez chez Kalios. À la limite. Il est avec... comment il s'appelle ? Avec Punky et Pseudoless. Ah, il regarde des conférences E3. C'est rigolo, ça. On est combien ? Ah, je vous envoie chez Kalios, hein, je pense. Bonne soirée, merci Frogbull encore pour la build. Miss Igual, je vais aller faire debout et doux rêve. Bah, bonne nuit à tous les deux, et merci beaucoup d'avoir été là. Je vous envoie chez Kalios, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de Kalios. Et c'est très très cool ce qu'ils font. Ils sont en train de react à des conférences E3. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour le samedi mainstream sur Zelda The Wind Waker HD sur Wii U, vrai hardware. C'était Ninja Penguin Man Malou. J'espère que ça vous a plu. Merci pour le stream, merci Van Greenman. Merci à toi d'avoir été là. Et voilà, n'hésitez pas à aller follow Kalios et à aller regarder la Kalios TV quand il n'est pas là. Je vous fais des bisous. Oh putain, ils sont sur le Metroid dégueulasse de la 3DS là. Fédération Force. Quelle horreur ce jeu. Je vous fais des bisous. À demain pour ceux qui seront là. Et puis, bah, à plus. Et puis, portez-vous bien. Tous.